Pourquoi tu signales les directs? Coco Lagoé n'était même pas derrière d'abord dans ton direct hier. J'ai dit que toute la journée, je vais t'insulter sur Internet. Tu as comme ça au moins pour 3 mois. Vous aimez entendre? Je dis que Coco, ça ne sert à rien de venir dans mes directs pour signaler. Ma youté à me can, on gagne à wa polonie, on gagne wa polonie, wa coco, on gagne wa polonie, on mani dienem, ok, n'y a pas mani que ze pouvons dire, tu es une machiavélique, ta fille t'a barré à cause de cette histoire. Coco la go, belle moine à Cameroun, il dirait n'y a n'en a mazan ou te, on don polo mana bonne, be signaler, ma écoute foi, à mon abiaza, quoi be wondo, Facebook, zoukbe a woki wondo. Coco mimbang. Tortue Ninja, Brice, tu vas me tuer, voilà. Coco, tu ne connais rien de moi et tu ne connaîtras jamais rien de moi. Tu as fait ta merde et ta misère hier. Je t'ai laissé faire ton direct. Coco, la go, tu as tué Apollonie et Yébé. Wonga, ouais, Apollonie, on a mani, dit au Camerounais. Oui, oui. Toi et moi, grogué, vendeuse de cocaïne, on t'a chassé en Suisse, pourquoi? Hein? Coco Lago, tu vendais la coque. Je le dis et je le réitère. Si tu veux, je lance le direct avec les appels ici. Au moins 50 femmes de la Suisse raconteront ton histoire. Et je vais faire ça. Je vais faire ça. Regarde-moi la chienne là. Une tortue ninja. Elle est heureuse sur Internet. Tu t'occupes de ton bâtard à quelle heure? Ta pourriture, tu pointes les enfants des gens, tu as un enfant en bas âge. Ingongwal zom te yi boal zom te yi nya fwa kyu kalwa ma mousing. Amou ma kama mani nying we. Ma kama mani nying we. Yi boal zom wa lwe nou mwan we. Ntou zom. Zom be kiba sazi lang. Inyo le nyumo yobe esbe. Bo bom na, bo bom ne nya dwe, bo bom ne nya mou lwa. Yi boal zom. Tu viens signaler le direct pourquoi? Tu ne supportes pas, tu n'es pas fair play Coco. Je n'étais pas dans ton direct hier. Mettez les partager et envoyer les cœurs pour qu'elle ne signe plus beaucoup. Tu vas me supporter. Oui, menu, tu vas me boire. Tu m'as attaqué hier, tu étais à l'aise jusqu'à tu es parti te maquiller. Tu penses que Coco n'est pas allé porter mon habit qui est important pour te répondre. Tu es une merde. Tu es une peste. Tu es une pourriture. Tu es une serpillère. Hein? Tu es un bac à ordures qui est les qualités de bac qu'il y a souvent dans les carrefours. Hein? Je ne supprime pas mes directs, le cul de ta mère, chienne, poubelle publique. Coco, le gros cul de ta mère, je ne supprime pas mes directs, je n'ai pas peur de toi. Et mon nom est bien dit dans mes directs. Une serpillère comme, tu es qui, tu vas faire quoi à qui? Tu es qui? Il boit le jom, tout jom. Il boit le moine, ouébé, bombe, jom, t'es en bord, il lang. Ton enfant, il sait même pas que jom, t'es écrit 15 ans. On gagne nyawa pour le nier, yébé. Ouais, tu as tué. Meurtrière. Meurtrière de ton état. Tu fais quoi ici? J'étais dans ton direct. Je n'étais pas dans ton direct hier. Je suis venu quand on m'a tagué. Je suis venu, je t'ai écouté. Je t'ai dit avec moi. Coco Lago, ils vont m'étonner. Bien qu'il se limite à Facebook, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. C'est sur les réseaux sociaux que je vois ton machiavélisme et c'est sur moi que tu es arrivé. Je vais te montrer que moi, je suis un Yanda. On ne boit pas le sang des Yanda. Je vais te montrer que moi, ma mère est Tenga d'un Colmessi. On ne boit pas le sang d'un Colmessi. Je vais te montrer que ma grand-mère invoque à Temenga d'Obili. On ne boit pas le sang de la progéniture d'invoque à Temenga. Je vais te montrer que mon sang est amer. Une chienne. Ne supprime pas le cul de ta mère, l'anus de ton enfant. Chienne. Un bordel comme ça. Ne supprime pas. Tu es intimidé qui? Tu peux faire pas à qui? Il y a mon nom dans le direct là. Chienne. Tu n'as pas l'argent pour acheter, pour prendre une maison, pour dormir. SDF Pro Max, plus de 35 ans en Suisse. Est heureux toujours, on l'accueille toujours. Je suis à la cuisine. Et on n'a pas vu les chaussures alignées derrière ici avec les faux sacs. Il n'y a pas ça aligné là. Hein. Et fait le direct avec ses faux trucs charcutés de premier rang. Je ne suis pas encore souri. Ou nous avons oué. Kakakaka aux éclats, tu peux rire. Coco Lago, tu peux rire. Chienne. Tu as fait aller, tu penses ici, les gens t'ont laissé. Coco Lago, tu ne me peux pas. Je dis que tu ne me peux pas. Tous les morts, tous les gens qui sont morts à Yanda habitent dans ma tête. On les enterre pas. C'est dans ma tête. C'est ma tête qui est leur cimetière. Chien. Regarde-moi le transsexuel là. On cherche bien. Tu as volé l'enfant. Comme vous êtes fort ici. Il était dans ton direct hier. Tu vas digérer. Coco Lago, je te jure au nom de Dieu. On a comme ça au moins 3 mois. Parce que
je ne t'ai rien fait. Juste parce que tu as tes problèmes avec Lady Ponce. Comme tu es que quand quelqu'un aime les choses de Lady Ponce, tu veux l'attaquer. Tu ne me peux pas. Si tu es une femme, ne me dis pas seulement, ne supprime pas les directs. Donne-moi ton adresse. Dis-moi la ville que tu es. Je viens te trouver. Sur Luxembourg, le transport, c'est gratuit. Mais dame Wenning, en face, je pars en prison, je suis jeune. Je dis que je suis jeune. Vous allez m'entendre. Regarde-moi l'autre. C'est sur moi que tu arrives. C'est David qui est avec Dieu Goliath. David, Nyanga, où est Goliath? Coco Lago, souris. Fais-moi un snap, tu souris. Pendant 30 minutes, tu ne vas pas te blesser. Ngoué qui balaye à mes bras pour foi. Ngoué qui balaye dans tes trucs que tu as fait dernièrement. Tu vas dire, elle ressemble à la grenouille de Zuma. Avant, nous, il l'a. Minkami, nous, en basout. Mais ce moment, nous, il boit l'âme, sup. Chienne. Une SDF comme ça, à plus de 35 ans en Europe, tu mens, tu donnes encore sur les... Tu donnes encore sur les canapés des gens. Tu es venu signaler mon direct, pourquoi? Tu n'as pas pu supporter. Coco Lago, tu ne me fais pas peur. Je te dis que je peux me chamailler pendant 18 heures de temps. Tu ne me fais pas peur. Ma bouche, c'est une arme de dissuasion comme la tienne. C'est le fer qui casse le fer. Kronkanda na Kronkanda. Je ne suis pas lady. Une chienne comme ça, buveuse de sang. Tu es en quête de sang. Quand tu manques déjà le sang, tu viens te promener sur Facebook. Tu n'auras pas le mien. Mon sang est amer. On t'avait oublié, l'Olympia est fini. Elle a réapparu comme le flamant rose avec son long cou et ses fossettes, mimbamino un zout. À part les sales petits injures de Facebook, oh 40 grammes, on t'a opéré. On ne m'a jamais opéré deux fois. Il n'y a jamais eu d'opération deux fois. Et ce n'était même pas une opération. En fait, on m'avait pris le truc qu'on fait au dos là, qu'on met le truc. Tu connais quoi? Tu habites en Europe depuis. Essaye-moi. Où c'est Daphine Alima, le gros cul de ta propre mère, toi-même d'abord, et je te bannis et te bloque. Voilà, j'espère que la journée sera bonne pour toi. Vous êtes malade. Hein? Coco, tu habites à Thionville, c'est 20 minutes en train gratuit. Je suis à Luxembourg, une hébergée. Une éternelle assistée à plus de 55 ans. Coco, tu es dans la cinquantaine. Tata Malisa Kamba, pardon, mets-moi un peu l'âge de Coco en commentaire là, ma mère, s'il te plaît. Tama Furu Karib Boaldomen Durungeme. Tout ce qu'une femme sait faire dans. Coco, tu ne peux plus couver aucun homme. Ta dernière chance, c'est un Watt qui ne connaît même pas ces choses-ci. Tu vois que quel homme camerounais ou bien quel homme africain peut t'épouser? Aucun. Ton nom, ton visage, c'est le diable. Coco Zuma, une sale femme. Généralement, les femmes qui ont les enfants garçons ne disent, n'insulte pas les enfants des gens. Hein, parce que ta part là-même sera pédée. Je le dis à haute intelligible. Va me porter plainte. Et tu me diras si tu as le droit de me. Ton fils, une pourriture, bombe, donc tambourine lent. Chienne. Toi, que tu me fais peur. Tu ne me connais pas, hein, Coco. Moi, je qui me bang. Tu ne me connais pas. Tu ne connais même pas ce que tu as en train de faire. Je me tourne, et madame Nouwenying, ce n'est pas, je dis que ma nyabou, tu ne me connais pas. Mais ne me tourne. Oubliez-vous, maman, ne me tourne. Tu as 65 ans, voilà ton âge. Tu as connu François Mitterrand. Tu as connu François Mitterrand. Ici, là, dans l'Europe, si. Les sales chiennes comme ça, si vous n'avez pas conçu les villas et les immeubles, vous n'avez pas acheté les Range Rover. Hein? Quand l'Europe était encore Europe. Maintenant, la bordellerie de maintenant, c'est la résistance. Coco ne peut jamais avoir 49 ans. C'est faux. Dans aucun pays, Coco n'a l'âge là. Même au Kumbo pays. Où c'est Laurence Pocam? Le gros cul de ta mère avec les asticots. Je te bannis. Une chienne. Quand elle manquait le respect, elle dit, pense, vous n'êtes pas parti. Tu lui dis qu'elle n'est pas obligée. Eh, vous êtes fou. Coco Lago, tu es venu me provoquer directement. Dernièrement, tu es venu dans. Toujours, tu es toujours venu dans mon truc. Tu es venu écrire.
C'est toi qui avais commencé à m'insulter dans ton truc. En fait, tu as pensé que quand les gens disent souvent, Coco, elle n'a pas peur de toi. Si tu es une femme, donne-moi le rendez-vous. Je le dis là maintenant, je viens à Thionville. Je porte mes chaussures là maintenant, je viens à Thionville. Là, 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 daba, daba. Coco, tu es né en 65. Ta fille a 35 ans au Cameroun. Elle t'a régné. Elle t'a banni à cause de la mauvaise vie que tu vis ici en Europe. À cause que tes copines partaient toujours l'agresser, que leur mère est sorcière. Ne m'enganga benoua. Tu étais Africa Top Chef. On t'a chassé là-bas, on t'a sancré comme un coup franc. Le machiavélisme n'avait pas sa place là-bas. Coco Lago, tu me veux quoi? Il me dit, regarde un enfant comme moi. Tu m'accouches 4 fois et demi. L'autre demi là, c'est ton fils que tu as en main. 4 fois et demi. Tu peux peu, on est main. Coco Lago, on ne veut pas qu'on se chamaille longtemps. Tu habites à Thionville, dis-moi exactement où qui t'héberge à Thionville. Zavou, Manu, Mani Kali, Manu, non, que Kamba. Hein? Zavou, non, que Kamba, Wabombite. Éternel assisté. Éternel assisté de ton état. Laveuse de plats de chez Lady Ponce. Roupéro. Lady Ponce a pris une nouvelle Roupéro. Tu n'es plus à la mode. Vous allez forcer les gens pour être leur Roupéro. On peut aimer l'esprit du roupérisme comme ça. Oh, quand j'ai préparé, quand j'ai préparé, on signe chez quelqu'un imbécile. La personne qui t'a acheté les mamies là, t'a acheté ça pourquoi? C'était par rapport à Lady Ponce. C'est pas parce que cette personne. Tu as vu le personnage au concert? Il n'y a quoi, mais je suis dans ma cuisine, 125 mètres carrés. Le truc là, la terrasse, c'est 25 mètres carrés. Je suis assis là. Je veux fumer mon bang. Ou quoi, mais tu m'as bien regardé. Hein? Tu m'as bien regardé. Une chienne comme ça, elle est là comme une médium. Vous aimez souvent entendre que vous intimidez les gens, Coco Lago. C'est sur caillou que tu es tombé. Et je souhaite que ça ne reste pas que virtuel. Que tu me dises où tu es, Mouzouzou, quoi, Vifaune. Mouzouna, je suis prêt même à choisir, même 5 ans de gata. Ma djitou, oui, bon, minéna. Ma djitou, Camerounais, vous courcoup. Nos bois, vous voilez bien. Dis-moi, et je vais assumer mon gata. On gâte ici en prison. Ici, on gâte. On gâte bien ici. Mouais. Tu manges, tu dors. Hein? Comment on ne mélange même pas avec les filles? Je vais trouver les gars là-bas. Mais Jean, vous allez m'envoyer le lubrifiant là-bas en prison. Je vais sortir là-bas et serait bien. Une chienne. Elle vient parler mes choses. Je pense que ça me dit quoi? Va un peu regarder sur YouTube depuis combien d'années on m'insulte. Et je ne suis même jamais venu avant qu'elle ne vienne ici. Et Minkan, Azura, non, bon, moule, Minkan. Une chienne. Elle vient m'insulter parce qu'elle voit comment elle danse beaucoup, Lady Ponce. Je dis les choses de bien de Lady Ponce. Je vais chanter. Manazamba belinine. Manazamba belu fogo. Wo, papa, ma tamo, loué. Yuna, yo, besie, wamo. Woga, me kine, woga, me ta. Oyene, te me, anti. Gawanga, comme si. O, comme feu, yo, besie, wam. Yango, comme si. Non, à comment te monter bien, à soudé ou à d'autres bébés à Zuma, à ou le game, à Thomas Dame, à Nessie, et c'est de tout monter bien, on a offert un bon balbalou à nos cocos, ou l'homme de Fubian à Mintangan, à Gaoule, à Thomas, à Dame, à Mam, à Moudé, coco, à Moudé, anti, à Moudé, à Moudé, ou d'orgon balé, anti, ou d'orgon balé, chienne. Tu fais à qui? Maintenant, écoute, vous aimez souvent entendre. Coco, je me tombe le nez, boy. Oh là là. Aïe. Mon mari est français luxembourgeois. J'allais oublier ces détails. Il est franco-luxembourgeois. Donc même j'ai les gloires pour vivre aussi là-bas, c'est que je ne suis pas beaucoup intéressé. Il y a mes tombe le nez, Coco. Parce que je ne veux pas te toucher. Mais je ne veux pas te toucher. Attends. C'est le bordel. C'est le bon Nigérien. Le bordel. Joli dans la vie. Je ne veux pas te toucher. Un parent qui vient se placer. Une chienne. J'espère que tu ne peux pas m'intimider. Je ne supprime tout le monde. C'est que je n'ai jamais supprimé un de mes directs parce que je ne suis pas un lâche. Ok? Je te dis, Coco,
comme tu m'as insulté, cuisinière machiavélique que tu sois, ton fils que tu as à la maison sera un PD de la honte. On va le jouer comme la Bialo Bali Bali. Oui. Mais les hommes t'en de Bali Bali, ils boivent zom, tout zom. Tu t'es acharné sur Lady Ponce pendant toute sa promotion, pendant tout son tour de carrière là. On a nia fabre Lady Ponce, zinganual. On est zézin. Sorcière. Une femme que tu étais à Rupero, hein? Une femme que tu étais à Rupero, tu l'as brisé la carpe, elle a mangé dans la bouche. Esclave aujourd'hui, esclave demain, esclave après-demain. Ça, c'est ça qui est ça. Et ça ne te plaît pas, tu vas sauter dans la maison, tu m'as mis bébé, mis singe, mis oiseau, terreau et l'enterre. Je n'écoute pas tes lives, Coco. Tu devrais avoir honte d'être ici en train de regarder comment je rince ton personnage. Je rince la saleté que tu es. Moi, je suis dans ma cuisine. Hein. On ne va pas me dire, c'est là que nos... Lady Ponce t'avait déjà chassé depuis. On peut chasser quelqu'un comme ça. Hein? Nous tous, nous aussi, on nous a hébergés dans la vie. Quand ça ne va plus, tu pars. Hein? Quelqu'un te chasse. Abîme. Oh, j'étais esclave. Tu étais esclave. Je vais vous dire, en Europe, il y a beaucoup de manières de payer les services qu'on nous rend. Quelqu'un peut décider qu'il t'héberge chez lui parce que tu lui laves la maison. Oui. Quelqu'un peut décider de t'héberger chez lui parce que tu lui prépares bien la nourriture. Et ça a été ton cas. Coco, donne-moi ton adresse. Si je ne viens pas, tu m'appelles chien. Où lui menons vous? Si je ne viens pas, tu es à Thionville. Où lui menons vous? Mon beau, il dit en Bourbakam. Mais le roi, ne David, Yanga, où est Goliath? Tu m'as cherché, Coco, tu vas me trouver. Je suis un gars Yanda. Mon père est Yanda d'Afanoyo et ma mère est Tenga d'un Colombe. Si mon sang est amer, on ne boit pas ça. On ne boit pas le sang pour moi là. C'est un très mauvais sang, on ne peut pas boire ça. Comme tu es gratuit là. Comme tu es gratuit là. Ici, il n'y a pas le sang à boire pour toi. Le cœur, tu as mangé. On a dit à Polonie, non. Tu as mangé son cœur. Tu es une machiavélique, tu es une sorcière. Oui, ta copine, c'est comme aujourd'hui, on va me dire que mon ami Siné disparaît et je ne connais pas. C'est toi. Normalement, la police devait s'intéresser à toi. Bordel. Tu vas me faire quoi? Webodé? À part me dire que pédé, que les sales petits injures, que les bordels, les autres vieilles mères qui me mettent au monde là, qui vont dire que oh, 40 grammes. Mes parents ne sont pas gros. Je ne sais pas pourquoi vous voulez souvent qu'ils grossissent. Mes parents sont des petits gens slim. C'est comme vous me voyez là. Hein? Vous allez me dire quoi? Oui, mais tu es une pédé. Je n'ai jamais dit à un Camerounais que j'aimais seulement les femmes. Coco Lago, je baise les femmes et je baise les hommes. Tu leur fais l'amour. Va maintenant le dire là où tu veux. Et tu essayes. Et si tu essayes, Natacha. Bani. Et si tu essayes un seul instant. Si tu essayes un seul instant de douter, donne-moi ton adresse. Donne-moi ton adresse. Si tu doutes. S'il vous plaît, je ne suis le fils de personne là. Dans les commentaires là. Je ne me rappelle pas que ma mère est dans un live ici. Tenez vos propos. Je vais bloquer tout le monde. Quand cette dernière a commencé ici. Vous allez me dire si le fait que je dois contre... Ma mère, celui qui met encore un commentaire genre là, ma mère ne regarde pas les choses de Facebook. Elle n'a pas 2 minutes pour ça. Je dis bien 2 minutes. Coco, on attend l'adresse, mets en commentaire. On attend l'adresse, mets en commentaire.
Tu es où? Viens mettre l'adresse en commentaire. Il porte le chapelet parce que j'ai convoqué ton âme d'abord hier. Hmm? Une chienne comme ça. Je vais. Il est 10 heures. Je remonte dans 2 heures ou 3 heures de temps. Je remonte en live. J'ai dit, ma journée d'aujourd'hui, tu es ma préoccupation aujourd'hui. Coco Lago donne la graisse. Mia dit, Mia walk. Tu m'as dit ici que tu as fait qu'on enferme Papy de Longchamp. Donne la graisse. Moi, j'habite. Je ne vais pas donner la graisse de mon mari. Mais on est dans l'Union Européenne. Mon adresse, l'adresse de chez moi, mon appartement à Charleroi, c'est 290, route de Châtelet. Le nom est là, on dit que tu vois, que j'ai dit là. C'est écrit sur la boîte aux lettres. C'est première boîte aux lettres, c'est mon nom. Va là-bas. Et mon autorité. Bani. Ah ouais, Bani. Toi, je ne sais même pas ce qu'il peut te dire. Tellement tu sens la misère, la pauvreté. Elle est là, à l'âge, si on fait encore le curly. Elle est là, elle a fini de faire, elle a mis la perruque. De quoi parle de sujet? Des choses qui ne te concernent pas, Daniel. Donc, tu peux aller là-dedans, tu peux aller dans les lives où on parle des sujets qui ont créé avec ta vie. Ici, tu es peut-être désolé hein, si tu t'es retrouvé là. La porte, c'est par derrière, tu peux sortir maintenant. J'ai ouvert la porte, tu peux sortir maintenant. Et je la referme. Coco, tu es ma tante. Ne restez pas seulement. Coco, tu n'as même pas un bon cas. Tu n'as pas un bon ticket de ce. Maintenant, même les enfants des parents, les parents des enfants français, même que vous, vos enfants que vous faites en macam, macam, coupé, 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 coupé là. Je n'ai jamais moi été en Guayaquil à part fréquenté. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et les gens que tu dis là, les athées, que tu dis là, ils habitent derrière chez nous. Parce que vous êtes souvent quand on vous donne les informations, vous venez faire comme si. Ce que tu dis, j'ai fréquenté. Là, on t'a mal formulé. J'ai fréquenté là, à l'école en Guayaquil. Maintenant, ce que tu dis là, ils habitent derrière chez nous. Ce sont nos voisins les plus proches. C'est deux familles très amies. Depuis mon arrière-arrière-grand-père. Je vais très bien. Je vais aller me coiffer tout à l'heure. Là, je suis en train d'aller. Ou bien maintenant, si tu es aussi trop fâché, parce que quand tu as le temps, je vais à la gare de Luxembourg-Ville là maintenant. Ok? Si tu es trop fâché, je serai là-bas. Et jusqu'à insérer là-bas, je vais faire le direct. Que tu me trouves là-bas. Coco Lago, je n'ai pas peur de toi. Une femme ne me fait pas peur. Toba kano beli voûté. Il l'aura mis un bormi doué. Il cuit à misa nibi bre. Tu ne me fais pas peur. Je dis que tu ne me fais pas. Dans le monde de la sorcellerie là où tu es, faut bien regarder la sorcellerie là-bas. Peut-être tu me trouveras là-bas. Dans la chambre où on dit souvent que tu n'entres pas là. Là où tu viens faire les sacrifices de tous les cœurs que tu prends là. Une chienne comme toi. Tu t'es assise sur Lady Ponce pendant combien de temps ici? En pleine carrière. Hein? En pleine carrière. Elle t'a fait vu et ignoré parce qu'elle pouvait te porter plainte. Mm-hmm. Coco, c'est interdit. On ne pleure pas. Moi, je vous ai toujours dit ici. Quand tu viens te retrouver dans la bassine de boue où je suis, il faut être résistant. On va se salir. Il dit qu'on va se salir, espèce de grenouille de Zoom à Coco Lago. Grenouille. Hein? Abinanou Azur Abin. Et Dani Lang et Nyumni Lang Anou Azur. Mo Wobomenou Lang Mimba. Minou Azur Anese Mimba. Une chienne. Yannick Mboué, je te bloque. Elle est là, tu ne parles plus, tu ne mets plus le commentaire. Tu es à Thionville, donne ton adresse, non? Bon, je vais aller me coiffer, je suis un peu fatigué là.
Même Kokolago, je vais te dire quelque chose. Your time is over. That is what you have to understand. Your time is over. Tu ne peux pas. Kokolago, tu n'as pas le monopole de la destruction. On ne va pas te laisser faire. Avec moi, ça ne se fait pas, même si on emprunte 10 dizaines. Tu es la grenouille de Zuma Pro Max. À partir d'aujourd'hui, le nom Kokolago, on t'enlève ça. Parce que ça fait, on va penser que c'est notre grande star, Coco la Gentille. Tu es la grenouille de Zuma. La mascotte de la grenouille. Là, tu ressembles net à ça avec tes botox. Et tes fossettes que tu as fait là, tu es là comme ça, anongwe à vivre un coq. Une chienne. Je te dis que Coco Lago donne-moi le rendez-vous. Je porte le caba maintenant. Je dis que ma boire caba, je mets la perruque, il vient t'attendre. Il va te taper comme le serpent. Ma dis-toi. Tu m'entends? Et puis maintenant, le nier vient. Moi, je ne connais pas. Je dis un paro. Je sais que je suis conscient. Il voulait la nappe depuis. En ben, on n'en voit pas quelqu'un en prison plus de 5 ans parce qu'il a nappé quelqu'un. Il te cogne, my bim, étant conscient. Un homme d'homme et à Ouragnois là, tout. À Ouragnois, depuis que tu es venu en Europe, as-tu déjà vécu avec un homme? Un temps, c'est ton rêve. Tu as déjà vécu. Coco, je vais organiser une émission pour les Camerounais. Spécial témoignage de ce que Coco a gâté dans la vie des gens. Coco, il y a beaucoup de familles mbengistes que tu as mis en péril ici. Là. La méchanceté. Quand tu travaillais avec une fille dans les maisons closes, les maisons des Bamba. Hein? Dès qu'elle a le succès plus que toi, si elle n'a pas les kaolo, tu l'envoies le nien. C'est le travail que tu as passé tout ton temps à faire en Suisse. Et maintenant, les coroncoros de la Suisse, elles ont fait la réunion. Quand Zurich et Bâle, Genève, Lausanne, ils ont dit que tu es en France, pourquoi? Tu peux encore passer même en Suisse. Même si le train passe en Suisse avec toi, tu es interdit. Je dis que même si le train là doit passer en Suisse, on a interdiction d'aller là-bas. Tu vas regarder la Suisse là seulement sur les vidéos. Tu es jaloux. Là, alors, le tour, si il défend un peu, me sent petit, pas beaucoup. Tu es jaloux de me sent parce qu'actuellement, il y a l'audience là-bas. Mm-hmm. Et tout le monde qui va concrétiser ce que me sent fait aujourd'hui, c'est un focus, un lâche. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez commencé ça, à faire les lives que les gens viennent monter. Et maintenant, chaque star va choisir le live qui lui convient, où il voit qu'il peut aller parler. Si tu n'es pas éligible, Blago, pardon, tu ne fais pas partie. On ne vient pas monter chez toi. Le Togolais t'a barré. Pourquoi tu as fait l'enfant avec un Togolais? Un Camerounais peut te baiser. Hein? À part les racailles que tu ramasses. Espèce de faiseuse de poubelle. Faiseuse de poubelle Pro Max, grenouille de Zoma. Meurtrière. Tu as décrit les dépenses pendant des années. Si elle t'a porté plainte. Oh là là, tu ne disais pas tellement. C'est la vérité, ça te fait mal beaucoup. Il l'a un oiseau, il l'a. Coco, tu ne peux rien me faire. Je te dis que tu ne peux rien me faire. Si les sorciers dans ma famille, il y en a plein. Ils n'ont pas bu mon sang. Ils ne se sont pas partagés ma chair. Toi, tu ne peux pas. Imbécile. Tous les grossistes de Turquie te connaissent. Ce sont tes nouveaux amis actuellement, les grossistes turcs. Hein? Ce sont tes nouveaux amis. Tu as aligné. Tu vends bien les choses des parvenus. Tu peux poser le direct jusqu'à elle est partie se maquiller. Elle est partie se maquiller. Viens prendre la croix là, tu enlèves, non? Tu peux couper. Avec son visage, comme le bout de mon zizi, il l'arrête nous un jour, il l'a bloqué, banni. Que ton âme repose en paix. On n'est pas à la cour de récréation ici là. On doit te vendre même aux femmes là. Je te dis. Non, maman, tu ne sais à rien en Beng. Tu ne sais à rien au Cameroun. Tu ne sais à rien sur terre. Tu dois aller en Azerbaïdjan demander même la nationalité là-bas. Chienne. Et vous placez. Hein? Tu vas là. Ici, elle est montée comme ça, comme cookie. Grenouille de Zuma. Grenouille. Coco grenouille. Coco grenouille.
chienne, elle va se placer. Un enfant comme moi, Coco, ta fille a 35 ans au Cameroun. Ta fille, Coco, elle a 35 ans. J'arrive, je vais aller faire pipi. Ta fille a 35 ans au Cameroun. J'ai dit qu'elle veut commencer le live si à 10h30. Il est 10h22. On va commencer le live. Coco, on est ensemble aujourd'hui. Ndik men, ndik we. Meni we. On était batté. Younami, mina, you, younami. On est ensemble. J'arrive. Je m'appelle Mani Bala. Fille Zao Zao, une vraie battante. Coco, donne la graisse. Je suis avec toi. Bientôt notre live commence. On était dans l'introduction. Maintenant, je vais ouvrir la ligne. Toute personne qui veut monter en live. Donc, tu veux monter. Si c'est pour parler de Coco, j'appuie là où il y a ces rouges là. Je vous regarde, je vous attends. Non, je n'avais pas encore commencé le live. J'ai fait une petite pause. Là, c'était l'introduction que nous étions en train de faire. Coco, je suis dans ma cuisine. Ton rêve, d'avoir une cuisine. Je peux me fâcher là et dire à mon homme qu'il n'aime plus la couleur-ci. On commande une nouvelle cuisine. Est-ce que tu as ce privilège-là en tant que femme qui a déjà fait 52 ans? Tu as connu Georges Pompidou, premier président français. Tu l'as connu, non? Georges Pompidou. Oui, et j'ai lavé mes mains toujours. Pas avec la sur le truc là. Il y a le. Oui, je pisse étant accoupi. Normalement, c'est conseillé pour un homme de pisser étant accoupi. Hein? Les Aoussa le font au Cameroun. Donc. Si tu penses que c'était une dissuasion que tu essayais de me faire, franchement, ça n'a pas marché. Coco Lago, je veux que tu me dises quelle est la raison que tu as dit ici sur Facebook, parce que j'étais entendu le dire, que ta fille est morte. Ta fille n'est jamais morte. Ta fille t'a régné, elle t'a banni. Elle a 35 ans, une très belle fille. Vraiment, la fille a beaucoup lu la Bible. Elle s'est concentrée sur le passage de la Bible qui dit même que s'il y a une partie de ton corps qui t'empêche de louer Dieu, coupe-le. Et il a vu que c'était toi. Tu es un Satan, un diable de Coco. Tu es un démon. Petite cocoluche des marabouts. Hein? Petite cocoluche. Tu vas faire quoi à qui? Au commencement était la parole, la parole était Dieu. Je ne mange pas, même quand tu passes chez le marabout avec mon nom. Il te dit que non, il n'aime pas la qualité là. Et que même si c'est aux femmes là, l'enfant là est trop agité. Coco Lago, je vais chanter l'hymne national avant de commencer. Là, on n'a pas commencé encore. Mais il y a au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je vais chanter. Je vais chanter ça.
pour te montrer que je suis plus Camerounais que toi. Parti depuis, oublié. Hein? On a ni abandonné Pacri Zone. Les choses de la Pacri, tu es tout dedans. Tu as voulu ternir Lady Ponce avec tout le travail que Lady Ponce a fait. Lady Ponce met la joie dans les corps au Cameroun. Lady Ponce emploie les Camerounais au Cameroun. Coco Lago, tu prends combien de Camerounais pour t'aider à aller préparer tes merdes que tu appelles cuisine là? Tu étais dans les trucs qu'on fait au Master Chef. On t'a chassé premier tour. On t'a sancré là-bas comme un coup franc. Tu es arrivé là-bas. Hein? Avec toute la cuisine. Tu ne pouvais pas te concentrer. Tu fais bien les masses dans les choses du vert ou jaune. Andena nous, il en den. Tu parles à qui, Wakobeza? Moi, un enfant que tu pouvais mettre au monde. Tu pars te maquiller. Hein? Tu te places, tu es devant le miroir, tu te maquilles, tu portes la perruque et vont l'eau, mais vide-moi en l'eau. Tu viens te placer. Mm-hmm, tu es là. Oui, les vacances, la pâté là. Ta fille a 35 ans. J'aurai 30 ans le 28 novembre. Mm-hmm. Tu parles de moi en raison de quoi? Tu peux parler de moi comme une maman. Tu ne peux pas parler de moi comme étais vu en train de parler. Je ne suis pas ta collègue. Je n'ai pas bordé dans les maisons closes en Suisse avec toi. Tous tes collègues qui ont bordé avec toi ont des grandes réalisations maintenant. Toutes les filles que je te voyais te chamailler avec elles. Quand j'étais au Cameroun, Carole Abena a son deuxième mariage maintenant. Et toi? Tu as lavé Carole Abena ici sur Internet. Tu as tout dit. Mmh? Au contraire, c'est vous. Mmh? Les rois par terre, les esclaves sur les chevaux. Tu prétends être la reine. Tant que les esclaves sont en haut des chevaux, ils sont en train de galoper. Tu as vu comment l'Olympia t'a répondu? Comme on crête avec les grands âmes. On ne crête pas avec la perdition et la malédiction. Koko Lago, on y vu, on y dongo, bengandamno, we nyawu, we soare biye. Un jour, moi, nous voyons sous soi-même, bimo, oui, loué le pompier. Oui, mais, ouais, ma cave Camerounais, tu te places nuit et jour, tu promets la mort aux gens sur les réseaux. Coco, tu ne vas rien me faire. Je te dis rien au commencement, c'était la parole. Je suis pédé, mais quand j'ouvre ma bouche pour prier, si elle manque, demande à Dieu. Voilà le chapelet que j'ai au cou, non, ça ne me brûle pas, pourquoi? C'est béni, j'ai acheté ça à Banneux, ici en Belgique, là où Marie avait apparu, comme à Lourdes. J'étais là-bas, je pars souvent prier là-bas, quand elle me sent dérangée dans le cœur. Quand elle cherchait les papiers, je heurais seulement là-bas. C'était ma maison, mon refuge. Coco, tu ne vas jamais rien me faire, mes deux parents vivent encore. Tu as vu, la tombe de ton père. On a gagné une femme, on de à part sur les photos, on a boué. Tu connais ça? Un bim. Chienne, une sorcière qui passe le temps à aller filmer. Une sorcière qui passe le temps à aller filmer, elle filme jusqu'à les cadavres. Hein? Petite bordel comme ça. Faites ça aux gens avec qui ton temps est passé. Your time is over. Your time is over. Je n'ai plus rien à dire. Je vais le mettre sur un deuxième truc. Faut que ma cuisinière soit beaucoup propre. J'ai mis la première couche, mais la deuxième. Tu ne pouvais pas te placer. Tu ne pouvais pas créer le concept. Hein? Seuls les idiots ne changent pas. Seuls les connes ne changent pas. Tu avais tout. Stéphanie Solange Ngo. Attends, je te bloque. Je bloque le cul de ta mère. Quand elle salissait, elle ternissait l'image de Lady Ponce et toutes les personnes qu'elle a décrites, ce n'était pas ses soeurs, bien qu'elle ait une grand-mère derrière Lady Ponce. Jusqu'à elle dit que Lady Ponce, c'est sa grande sœur. Une mère comme toi, Coco Lago. Ya! Yeah. Tu as connu Georges Pompidou. Mm-hmm. Tu as connu Georges Pompidou en France. Aujourd'hui, on est au mandat de Macron. Deuxième quinquennat. Une blessée de guerre pro-max. Le sang coule encore quand tu te blesses, ma. C'est l'eau. L'eau. Quand tu te blesses, mais dis-moi, mon cuit, il voit, mon tour, il voit. Sorcière que tu sois. Tu viens t'acharner sur un enfant. Il te doit quoi? Je chante. Je suis un musicien. Donc, il n'est pas le droit de m'épanouir avec un artiste que j'aime. Parce qu'une fuscrée, une ratée, une bêtise, une chienne, une bordelle, une rate. Hein?
va venir même se placer, faire les directs. Tu parles, à l'heure que tu parlais de mes parents hier nuit là, ils étaient endormis. Tu t'occupes de ton enfant à quelle heure? Aujourd'hui n'est pas le week-end. Tu t'es vu toute la nuit, tu étais en live. Tu parlais d'un enfant que tu me montres. Tu accompagnes ton Ndurungum là à l'école à quelle heure? Tu lui fais faire ses devoirs à quelle heure? Hein? Tu lui fais faire ses devoirs à quelle heure? Et vous venez souvent vous placer sur internet, vous insultez les gens. Coco Lago étant homosexuel, j'ai une vie bien rangée. Je peux éduquer 58 enfants. 58. L'éducation et le soutien que je porte à certains de vos enfants, là. Mon IB peut parler de lui-même. Des enfants qui viennent me contacter, que ouais, je suis gay, machin, ceci, j'ai 18 ans. Vous abandonnez un enfant à 18 ans, hein, parce qu'il est gay. Si ce n'est pas l'aider. Coco Lago, tu pouvais prendre ta quand on te prête. Quand on te prête les cuisines pour préparer, on va que va colloquer, sinon on va koyam, mfian, hein? Coco, mfian, mfian, coco. Tu peux prendre la caméra, tu apprends à la jeunesse camerounaise comment on prépare tout ce que tu sais préparer, non? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? On te connaît seulement dans les histoires de bordellerie, les clashs, mais tu as clashé avec toutes les bordels de la toile. Tu n'as jamais dit aux Camerounais que toi-même tu fais partie d'une des bordels. Pourquoi chaque temps tu te discutes seulement avec les bordels? Hein? Tu ne te discutes pas avec les cuisinières, pourquoi? Tu ne te discutes pas avec les couturières, pourquoi? Tu dois dire pourquoi tu te discutes tout le temps avec les bordels. C'est une question de rivalité. Une question de frustration aigreur. Quand tu vois que tu es en train d'être déclaré non partant, l'expérience a prouvé. On a vu, tu es allé piquer les lèvres comme ça. Mes grosses lèvres, si c'est naturel, je suis venu sur terre avec ça. Hein? Mais tu es allé faire comme ça. Tu as mis ici là. Tu ressembles à la mascotte Zuma. La grenouille qu'on appelle Zuma dans le jeu bleu là. Hein? Coco Lago, tu ne parles plus de tes mamites? Pourquoi quand on t'a remis les mamites, pourquoi tu ne viens pas dire aux gens qui t'ont soutenu qu'on t'avait donné les mamites? Bitrou me dit. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Coco Lago, tu n'es pas crédible. Comme David et Goliath, Coco Lago, toi et moi, Mina Yuyunami, tu ne peux rien me faire. Il était dingo ne minga, au bord de fang au surazout. Gozuru zoembi, te rognaman lâché. Ndibi yebi noua à me can. Ndibi cuida, une fille qui a même les cuits dans aux fesses. Coco Lago, la cuisinière machiavélique, c'est d'elle qu'il s'agit. Hmm? La femme qui a essayé de renverser le grand concert, le giga concert de l'Olympia. Tu as été vaincu au nom de Jésus parce qu'au début, au commencement, était la parole. La parole était Dieu et non Coco Lago. Ok? Tu as vu comment l'Olympia, tu as suivi la tonalité de ça, ce jour-là. C'était la lionne indomptable du Bikutsi qui parlait fort à l'Olympia. Ce n'était pas Coco Lago. De toute façon, nous te disons merci pour la pub que tu as eu à Bâcle gratuitement. Mm-hmm. Parce que parfois, on se plaint même de toi. Pourtant, tu fais un travail, mais juste tu fais un travail qui est mal. La pub que tu as fait était une mauvaise pub. Mais les gens qui ont de la jugeote, ils se sont dit, il est quand même important que nous allons regarder... regardez de quoi il s'agit. Et tu as vu comment l'Olympia était joli? Les Arabes disent que Zuina, Mizienne. Tu as vu comment c'était Mia, comme on dit en Libye, là où j'étais. Hein? Coco Lago, tu n'es rien, tu n'es personne. Si tu t'ennuies, je ne sais pas, peut-être quand j'aurai 45 ans, je vais peut-être me marier avec une femme. Ta fille aura déjà quel âge? Peut-être on peut faire partie de la même famille. Je peux dire à la fille là que on te supplie. Je supplie qu'elle vienne et t'accepte de nouveau. Coco, tu es une méchante femme. Je ne sais pas pourquoi les gens te regardent. Je ne sais pas. Un Camerounais qui aime son pays ne peut pas te regarder. Les artistes camerounais font partie du patrimoine camerounais. Tu ne peux pas te placer. Je ne parle pas de tous. Tu ne peux pas te placer avec le standing, hein, et la carrière que Lady Ponce a. Tu étais sa roupérou. Tu lui faisais la cape, la sole brisée. Tu te places sur internet. Oh, Lady Ponce d'Anga Bonanda. Lady Ponce n'a rien fait à part t'aider. C'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur qui est mauvais. Tu faisais quoi dans la maison là? Tu veux qu'on parle? Ton ordinateur a parlé de lui-même. Tu faisais quoi?
dans la maison là, ton ordinateur apparaît de lui-même. Hein? Avec la personne, le mari de la personne qui t'hébergeait chez lui. Coco Lago, tu n'es pas un exemple. Tu es une personne à bannir. Tous les Camerounais doivent t'éviter. Il est important qu'aucun Camerounais ne te prenne plus pour des prestations. Parce que tu fais un très mauvais travail. Ton travail, il est mauvais dans le sens où on va t'inviter chez quelqu'un de venir préparer. Tant que la personne sera discrète, tu vas commencer à filmer en attendant de faire le chantage à la personne. Coco, tu n'es rien. Tu as voulu faire ça. Lady Poncet t'a montré qu'elle ne mange pas le pain du chantage. Ok? Elle t'a montré qu'elle ne mange pas le pain du chantage. Elle est comme ça. Tu as fini de faire le direct hier. On y a un man ou quoi ben? Tu as fini d'ouvrir le cul. Donc on va laisser Tata Doudou et Ngamba dans ces délices, les petits. On va laisser la veuve. Je préfère prendre la veuve que la veuve me prépare la nourriture un jour. Quand elle veut venir là-bas, la veuve, je veux venir manger là-bas. Je veux monter. La veuve, tu fais le ndolé, les bonnes choses. Non, pas le ndolé, tu fais le poisson. Poisson d'eau douce avec le mesep. Coco Lago, mesep, manioum wazout, mesep. Pourquoi les mesep sentent dans tes fesses? Quand tu dois aller presser dans les mariages des gens, tu invoques d'abord tous tes esprits, les esprits de destruction. Ils vous, Mbel, Metom, Assoum, Satan, Jézabel, Lucifer, grenouille de Zouma, Coco. Tu es qui, Onesa? Tu crois que tu peux me dissuader? Les petits, petits, tes sales, petits injures. Va regarder sur YouTube, on m'a dit ça. J'étais au Maroc quand on m'insultait comme ça. Que non, le petit, la trois opérations, caracal, gramme. Tu m'as bien regardé. Il faut avoir de la clairvoyance. Tout ce que je te dis là est vrai. Par contre, tu as menti hier. Oui, lâche que tu sois. Lâche que tu sois. Tu t'en prends à Lady Ponce, pourquoi? Depuis que tu ne parles pas de Lady Ponce, combien de personnes, ceux qui t'encourageaient avec les litiges, ils ne font plus les anniversaires ou les mariages. On ne t'invite plus. Tu n'es pas plus presté. Tu vas, maintenant tu montes les chaussures. J'ai vu que tu vendais les habits dernièrement. Hein, Wakwane billet. Mettez-moi les cœurs, les pouces et les partages, s'il vous plaît. Beaucoup, s'il vous plaît. Je vais prêcher, maïou, évangéliser. Je vais t'arrêter, je vais t'amener à l'autre. Mais que l'autre, il vous, baïou, que délivrer, ouais. Carrément, Coco Lago insulte un enfant comme moi. Il boubou à moi, n'a pas besoin de me faire un camion. Un tout. Me voit, mon nous, il a me voit. Mami Wata, reine des eaux, sirène. Hein? Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Tu penses que tes petits trucs que tu parles, tu vas avec comme quelqu'un qui a le frein de langue. Hein? Tu es là, tu es en train de te désigrader. Dis-tu que, Coco, regarde-toi bien. Chez Lady Ponce, et là où tu es là, tu es obligé d'aller faire le truc. Si à ce moment-là, ça ne fonctionne même pas. Coco Lago, je t'emmerde aujourd'hui. Je t'emmerde demain. Je t'emmerde après-demain. Si tu es une femme, donne-moi ton adresse. Si je ne viens pas demain, ou bien même le même jour si aujourd'hui, tu m'appelles chien. Je ne dure pas dans mauvais rêve. Je ne fais pas le je ne conjugue pas le verbe là. Coco Lago, mets ton adresse si tu es une femme. Je t'ai donné le mien là maintenant. Donne-moi pour toi. Ou bien dis-moi quand tu me rends visite. Mais dis-toi à nous. Tu es qui, tu es quoi? Tu m'as bien regardé. On t'a dit qu'une femme manque le respect. Je suis certes une personne homosexuelle, hein? Mais attention, il y a des limites dans toutes choses. Je ne suis pas ta catégorie de bordel. Ton visage qui est devenu comme la grenouille de Zouma, là, je ne suis pas le chirurgien qui t'a conseillé de le faire. Ok? Tu vas foutre la paix aux gens. Tu vas foutre la paix aux gens. D'accord, Patrick Fanda? Toi aussi même, je devais t'appeler même. Tu vas coller la peur aux gens. Tu ne peux rien me faire. Je n'ai pas peur de toi. J'ai vécu avec les personnes les plus dangereuses sur terre pendant 8 ans. 8. Je suis sorti de là seulement avec cette cicatrice. Si tu essayes, il va aller me reposer. Peut-être que c'est en prison qu'il veut grossir. Il veut te montrer. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner.
Je te dis ça. Essaye. Tu vas voir. Je dis essaye. Tu vas voir. Tu as Thionville ici, non? Je veux que tu me dises là où tu vis. Si moi, je ne viens pas, appelle-moi chien. Je dis que si moi, tu me dis là où tu habites, je ne viens pas. Hein? Appelle-moi chien. J'ai le temps. Je ne prépare pas un concert. Je ne prépare pas un film. Hein? J'ai le temps. Je suis capable même de dire que même à l'instant, si là, je commence, on lance, tu me donnes la grette, je quitte en direct là maintenant, j'arrive chez toi. Tu ne me peux pas, Coco. Je suis jeune. Je peux décider. Je dis que je peux décider de prendre 5 ans dans ma vie. Je vais sortir, j'aurai 35 ans. Hein? Je peux décider de prendre 5 ans dans ma vie pour te les concentrer. Ma bio, ma dit-toi en un fou. Mais manou, balvo, mousse, me cambouk. 5 ans après, je sors net, net, intact. Mais toi, tu ne seras pas intact. Méfie-toi. Je ne chante pas. Tu ne me connais pas. On n'a pas été bordel ensemble. On ne fait rien ensemble. On n'a rien à se dire ensemble. Le fait que je danse les chansons de Lady Ponce a commencé à me lancer les pics. Le fait que je fais des publications à Lady Ponce, ça ne te plaît pas. Vous n'allez pas entraîner les gens dans votre aide-moi à détester. Quand tu brisais la sole et la cape à Lady Ponce, je n'étais pas là-bas. Quand tu préparais l'ondolaire royal, je n'étais pas là-bas. Donc tu me laisses aussi profiter de Lady Ponce, comme toi aussi tu as eu à profiter. Ça c'est de l'égoïsme. On ne tape pas sur les mains qui nous ont donné. On ne tape pas sur ce que tu as fait. Coco Lago, même les Camerounais qui te suivent, ils ont une mauvaise image de toi. Coco Lago, on t'a toujours vu. Soit tu essaies de détruire quelqu'un sa carrière, soit tu essaies de détruire la vie de quelqu'un. C'est dans ça que tu fais, c'est ce langage que tu parles. Et avec moi, cela ne se fera pas, même si on emprunte 10 dizaines. Je suis né le 28 novembre 1992 à l'hôpital de Biémassi à Yaoundé. Je suis le fils de Wona Tangana Martin, de Mungelandi Marie Daniel. Coco Lago est ici, mes parents vivent encore, ils sont jeunes. Ma mère n'a en 75, mon père, pareil. Essaye. Mon moine est digne. Je suis né d'un amour indéfini. Tu ne peux rien me faire. Élevé par sa grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a coupé le nombril. Essaye, je vais te montrer. Je dis que essaye, ma youlere. Vous aimez souvent entendre. Essaye, bi ou bien, binez-moi. Je vais me sacrifier, bi ou bien, binez-moi, mes cambo. Donc, je ne sais pas si tu. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Parce que vous voyez souvent les gens calmes. Vous pensez que vous pouvez les intimider. Comment dire, oh, Coco Lago, la fille a la bouche. Je vais piétiner ta bouche. Mayouke, tu ne peux pas insulter comme là où j'insulte. On ne part pas à l'école pour ça. D'accord? Coco Lago, make you try. You go see what go happen. I go show you, say, nyash. Na back, nyash, de no be front. Les fesses, c'est tout derrière, pas devant. Et tu es le cul. Tu vas toujours demeurer derrière. Parce que c'est ton choix que tu as fait. Ok? Une imbécile, une vieille maman, une dévergondée, une ridée, une frelatée, hein? Une finie, un vieux clou. Elle se met en direct jusqu'à elle se maquille. Tu voulais montrer le botox que tu as fait aux gens. On a vu, mais par contre, tu ressembles à la grenouille de Zuma. Vous connaissez le jeu qu'on appelle Zuma là, la mascotte là, la grenouille là. Allez me regarder le visage de Coco si ce n'est pas la grenouille là. Mais les gens là, franchement, ils doivent te payer. Hein. Ils ont utilisé ton visage pendant longtemps. Tu veux parler à ma cuisine ici. Tu rêves d'en avoir une. Aujourd'hui, tu exposes les chaussures. Avant, c'était le ndolet et les émincés que tu exposais, non? Où sont passés les ndolets? Où sont passées les crevettes? Les crevettes, elle avait souvent les noms à revisiter à la Coco. Crevettes panées, revisiter à la sorcière. C'était le menu de ta réunion de sorcellerie. Vous, nous, aboumi, vous. Coco, tu ne me connais pas. Kuntazia, tu ne me connais pas. Kuntazia, ouais, y'a me qui m'a. Ama me dit bibalo no Kuntazia. Tu ne me connais pas, Kuntazia. Ma youleur. Ma youleur, David.
nyanga wegole yat. Ende mabwe biski zomzing. Mene zam sacrifie mi mbumi tani nyin zam amou mene jeune. J'ai d'abord les bons jeunes. 45 ans dans l'eau. Je ne change pas. Donc, mais toi par contre, tu es charcuté de la chatte jusqu'au visage. C'est dans charcuterie là que mes bimi. Ma Simon me bel charcuterie, t'es avant nous et lent, fuscré. Hein? Une petite fuscrée comme toi. Une petite fuscrée là, j'achève te tuer. Tu es déjà la longkang. Quand tu parles, on sent longkang. Le Togolais t'a barré la fuite. Hein? Une femme qui a une femme qui est heureuse n'a pas le temps que tu fais là. Une femme qui a un homme qui lui fait bien l'amour dans le pétou n'a pas autant d'énergie. Coco, tu es méchante. La baise t'a envoyé au répondeur. Tu ne baises pas. Personne ne veut te piner. Hein? Ou bien les gens qui te pinent, c'est les gens qui vont te baiser dans le noir. Elles vont te piner dans le noir parce qu'ils ont peur d'aller dire que je sors avec Coco Lago. Ton image, ton nom est supprimé dans les femmes qui vont avoir les gars et les femmes qui vont se marier. Idiolozo et Sigifuité. Ton passe-mariage est inspiré. Your time is over. Donc tu vas devoir le supporter. Abima ne benga bomne wa Suisse. Ya, gawa terazout. Hein? Abima ne benga sa ou abe maison close. Bakke bo bomna Zurich, bo bomna Lugano, bo bomna Genève, bo bomna Lausanne. Tu ne connais pas de quel endroit où on vend les fesses en Suisse. Tu ne connais pas où. Hein? Quand t'entends souvent parler des bordels, mais je ris. Que mais la présidente, c'est parce qu'elle n'est plus éligible à le faire, mon Dieu, la frustration de ça. Hein? Tu allais faire toutes les chirurgies que tu as fait là, pourquoi? Coco, tu étais déclaré non patente depuis, c'est pour ça que tu as consacré le temps à la cuisine. Et tu as même vu que la cuisine là, même parce que tu as sali ton image, personne n'en mange plus. Mon petit ou bien ma petite, parce que tu ressembles même à un transsexuel. Nous, on va te traquer dans les sites de prostitution, tu ne vas plus vendre. Tu vas préparer Weyambidi, Weyamam Fiano Diawanyu. Hein? Nyomana Sobibiswa, Bekliambo Babu Sourzo. Chienne. Elle parle d'un enfant. Je dors, une maman. Tu convoques mon âme, tu pensais que l'esprit de ma mère dort? C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Fais très attention. Fais très très attention. Chaque fois que tu sors les propos que tu veux mettre mon âme en danger, tu te mets en danger. Parce que les Yandans ne seront pas trop contents avec toi, même les Etienga aussi. Les Mbogatemenga, alors ils ne veulent même pas entendre. Bon, j'en ai terminé, je reviens. Je vais aller me coiffer. Il faut que quand je vais faire encore l'autre direct, vous me voyez que je suis déjà jolie. Parce que pour ce matin-là, je ne suis pas beaucoup jolie. Partager, liker, Coco Lago, je n'ai pas peur de toi. Tu sors, je sors. Tu vas te calmer. Tu ne vas pas parler mon nom. Je dis que je vais t'interdire de parler ma chose. Tu sors, je sors. Ou cuit ma cuit. Tu entres, j'entre. Oui. Je ne suis pas Lady Ponce. Oui, oui. J'ai le temps, me bella boc. Je n'ai pas une image à préserver. Je suis désolé. Franchement, elle vient se placer jusqu'à elle fait le direct pendant longtemps. Les gens lui mettent les commentaires. Elle est comme ça. Coquille, la grenouille. Elle est seulement comme une sorcière. Chaque fois qu'elle tombe sur le direct de la femme, elle m'effraie un peu. Tu es une grande sorcière, Coco. Voilà, Dieu va te juger avec ses cousins et ses cousines. Carrément, elle était en direct toute la nuit. Elle faisait la réunion de sorcellerie. Oh, le petit là. Donc, c'est toutes tes injures, c'est tout ce que tu sais sur moi. 40 grammes, 3 opérations.
Mais quand vous voulez dire des choses, de chercher des informations au moins éligibles, parce que quand tu vas dire ça aux gens, Yves, je veux venir leur dire la vérité, s'ils vont voir vraiment que non seulement tu es stupide et tu es encore sorcière, tu ne trouves pas que c'est trop pour une femme de la soixantaine? Hein? Non, abou bien moi. Elle traite les gens de pédé. En France, là où tu vis, là, on ne dit pas à quelqu'un que pédé. La même manière que tu as enregistré mes directs là, je vais enregistrer pour toi aussi pour dire que tu m'as traité de pédé. Oui. J'ai le droit de le dire, je le suis. Toi, tu n'as pas le droit de me le dire. Ok? Imbécile, tu vas supporter. Tu vas supporter, on ne pleure pas. On ne pleure rien. On se chamaille. On a le même âge, sorcière. À voulanou et là à voul. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tu m'as vu au salon, là, n'est-ce pas? Mon voici qui est sur ma cuisine. Attends, elle suit même. Tu crois que le commentaire, là, va me faire quoi? Tu m'as même aidé, même, pour me rappeler que ma cuisinière, si elle devait essuyer. Wanyabike, sinan, désolé. A veba, nous, il a une chambre froide. Min kaya, zout. Min bami, nous, il a une sec. Hein? Et nous, il a une sec. Mais bon, le bimi, ça non, loi, brabi. Tu vas faire quoi? Qui tu es, quoi? N'y a qu'à se n'y a wok. Serpillé des toilettes publiques. Au lieu d'aller digérer la douleur de ta charcuterie qui te fait mal, tu peux encore rire aux éclats, rire un peu pour les Camerounais. Voyez, rire comme ça. Si les conneries là ne se déchirent pas, charcuter de ton espèce. Tu dis qu'il fait là la charcuterie? Imbécile. Tout ça pour ressembler à quelqu'un, mais ressemble-toi à la grenouille de Zuma. Chienne. Un bordel comme ça. Biloc, je te bloque avec ton visage décapé. Comme vous les petits PD, vous êtes en Afrique là. Quand vous voyez votre frère comme ça qui est arrivé dans son bain. Maman, ça vous fait mal jusqu'à... Ça ne doit pas vous faire mal. J'ai plus le choix de partir me chercher. Ce que vous n'avez pas fait. Vous avez plus le choix de prendre les 20 000. On vous baise dans les voitures. Les hommes l'ont, les femmes dans les maisons. Ils vous baisent dans les voitures. On vous baise dans les auberges. À beauté. Vous devenez. Et vous savez qu'il y a la nouveauté tous les jours. Dans ces choses-là, cherche à être le donateur, le patron. Hein? Vous êtes seulement là que quand il y a 20 000, on vous appelle. Ou bien quand il y a un bengiso au Cameroun, on vous appelle. Que oui, tu es où? On finit d'utiliser les bêtises, on donne un billet de 50 euros. Et vous allez venir vous fâcher dans mes lives. Hein? Jusque c'est alors moi. Mon mari au travail. Je suis ça, mais dans ça, j'ai supposé. Je ne suis pas bordel dans ça. Chien. Christine, comme c'est toi qui dois m'épouser, ne m'épouse plus. Ou c'est Christian? J'étais d'abord beau camp pour me dire que mon visage, tu me connais, c'est ton camarade de classe. Tu m'as vu beau un jour, avant nous, il l'a avant. Je ne suis pas venu sur terre pour être beau. Je suis venu sur terre pour réussir ma vie à avoir l'argent. C'est vous qui avez les problèmes de beauté. Voilà. C'est vous qui avez les problèmes là. Et je vois même la beauté là, même vous craignez seulement comme les mauvais esprits sur les réseaux sociaux avec la beauté là. Pendant ce temps, les laides filles se marient tous les week-ends. Vous êtes belle seulement sur les réseaux sociaux. Vous faites voir dans les commentaires des gens la frustration, l'aigreur. J'étais appelé ici, mon frère. L'huile que tu mets sur ton visage là, est-ce que c'est écrit dans la Bible que quelqu'un qui est né noir doit se décaper? Vous êtes là avec les péchés à longueur de journée. Vous péchez au quotidien. Champion pour viser les pieds sur les gens. Mais bimono et voilà pour me bille. J'étais appelé ici. Tu me suis nuit et jour. Si tu me suis, si je n'étais pas un gars intelligent, tu me suis pourquoi? Si je n'avais rien de captivant, tu me suis pourquoi? Il vient écrire carrément. Pardon, que ton âme repose en paix, t'es bloqué. Il y a les vrais problèmes. Il y a les sorcières là qu'on doit stopper. Le petit sujet, les détails comme vous concernent, on n'en a rien à branler. On brosse ça et on essuie avec le papier Kleenex. Le goût, machin.
Là, vous êtes au Cameroun. Et vous êtes allé en aventure. Le PD qui est autour est au Cameroun. Là, vous n'avez pas de situation. Allez au Nigeria, demandez l'asile au HR. Vous partez supporter les conditions. On va vous envoyer. En Abéla, c'est comme ça qu'on l'a envoyé aux États-Unis. Allez là-bas. Ne venez pas vous. Moi, je suis déjà ici en paix. Ne venez pas vous me déranger. Annabelle est aux États-Unis. Donc, ne nous fatiguez pas. Mini Minon à Strasbourg. Hein? Non, pas de problème là. Je peux décider là qu'il n'y a pas cherché le travail. Je trouve le contrat CDI. Je prends le prêt même de 1 million d'euros à la banque. Je paye la maison. Je fais toute ma vie ici. La vie en bain, c'est le crédit. Je décide qu'il ne rentre même plus au pays. Imbécile. Coco, Coco, on dit, voilà ça. La première fille de ta fille a accouché. Tu es arrière grand-mère, tu ne nous parles pas de ça. J'invite la fille de Coco dans mon IB. Viens exposer ta main aux yeux de la justice Facebook. Viens dire comment est-ce que vous vous êtes séparés de manière tragique. Parce qu'elle est prône sur Internet, elle t'a déjà tué. Pourtant, je sais que tu as envie. Elle t'a tué. Une mère qui sort de sa bouche pour dire que sa fille est morte. Ta fille au Cameroun, elle est déjà grand-mère. Ta fille est grand-mère. Ta fille est une grand-mère au Cameroun. Une grand-mère. Hein? Peut-être dans... Non, je ne pense pas. Parce qu'avec toute la charcuterie que tu fais sur toi, là, je ne pense pas que tu vas encore rester avec nous pour très très longtemps. Parce que quand vous regardez, elle n'a plus de chair sur le visage ici. Son visage est comme... On a tiré les rides là comme... Tu peux encore rire, Coco Mimban. On va dire, bah oui, que quelle... Tu peux encore rire comme ça. Non. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus rire aux éclats. Personne ne t'a envoyé te charcuter. Supporte. Tu voulais tirer pour que les rides finissent. Allez mettre les fossettes. Cookie. Homer Simpson. Chienne. Bon, je vais quitter. Coco Lago, tu sors à 10h. Je sors à 10h01. Tu sors à 10h01. Je sors à 10h02. Maintenant, quand tu vas être trop fâché, tu vas mettre ton adresse. Je vais te montrer. Je vais venir. On va faire l'autre. Tu vas, on veut venir, tu descends. Tu me dis PD en face. Hein? Tu me le dis en face. Je vais devenir ton chirurgien à l'instant présent même. Mais toi, le chirurgien, oui. Je vais le faire en étant conscient que je ne suis pas un gata. Moi, je n'ai pas peur d'une gata. J'ai vécu 8 ans chez les Arabes. C'était différent avec la prison. Tourner comme un mauvais esprit. Tourner. Donne la graisse. Montre aux Camerounais que tu es vraiment la coco que tu dis souvent que tu es coco, coco. Donne la graisse, je viens. Dis aux Camerounais que Nami, Jezabel Coco, comme tu le dis souvent, espèce de Lucifer. Une fille qui boit les coupes de sang. Pourquoi elle n'a pas peur de toi? Tu n'as pas lu ma notice avant de commencer. C'est toi qui m'as provoqué. Et tu vas me boire. Oui, mon nom. Sors, Coco. Sors. Hier, tu faisais le live dans la nuit, non? Quand tu veux me clasher, clash-moi en journée. Je ne fais pas les direct live quand mon mari est là. Je fais toujours ça quand il n'est pas à la maison. Quand tu veux me clasher, clash-moi en journée. Faut me clasher en journée, je te répondrai instantanément. C'est dit que c'est instantané. Tac, tac, dès que j'ai la notification, je vais m'abonner à ta page et j'active la notification pour te montrer que je n'ai pas peur de toi. Tu sors, je sors. Je dis que tu sors, je sors, tu es en jante. Tu es malade, tu fais à qui? Jusqu'à elle vient monter, c'est son sang. Coco Lago, moi que tu vois ici, je suis arrivé en Europe en 2016. Moi que tu vois, Elandi Junior, je suis arrivé en Europe en 2016. Toi, tu es arrivé au temps du pauvre. Les gens qui ont Google là, tapez en quelle année Georges Pompidou était président en France.
et vous calculez mon année de naissance, vous me dites si c'est normal qu'une femme comme ça fasse la réunion de sorcellerie pendant que moi je suis en train de dormir. Elle organise les réunions de sorcellerie, elle organise les génocides. Je te réponds, Coco. Je dis que toi et moi, on dit ouais. À manquer. Même bouger, bé, je ne bouge pas. Je suis là, mais ne va là, mais je me poser comme le TGV qui va faire le plan là pour aller à Paris. Tu fais à qui? J'ai peur de toi. Coco, tu te promènes encore en Europe. Tu marches maintenant comme ça. Tu marches comme ça, le cou est comme ça, comme le lézard. Lézard de nuit. Buveuse de sang. Je vais ramener l'histoire d'Apollonie et Yedé sur Facebook à cause de toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont intéressées. J'appelle toutes les coalitions, toutes les anciennes bordels qui connaissent Coco en Suisse. Mon IB vous est ouvert. Les bordels aiment les choses comme ça. C'est le courage qu'elle cherchait depuis. Je vais te dire la vérité, Bakarumbara. Mais le tout si. Il m'a dit David Rangaoué Goliath. C'est lui qui est arrivé. Tu ne vas rien me faire, Coco. Comme tu es une sorcière, je te dis déjà d'abord, tu ne vas rien me faire. Je dis rien. Mes parents vivent encore. Georges Pompidou était président en France en 1968. Coco Lago, tu es en Europe depuis 1968 et tu te prostitues encore pour 100 euros. Toutes les femmes qui sont venues à l'époque là, ont déjà fini de payer le crédit de leur dette qu'ils avaient pris en banque ou bien que leur mari avait pris. Tu n'as même pas encore un projet d'en prendre un. Et vous prenez, vous dites que vous avez les enfants. Les enfants qui vont finir à la DAS là. Chienne. Au bel homme zing. On est zé, on est zé. À l'âge que tu avais la cuisinière, avec le dent. Je suppose que le talent de cuisinière que tu as là, c'est inné. Tu n'es pas parti à l'école. Hein? Tu n'as pas pensé depuis 1968. À l'époque de Georges Pompidou, on utilisait le franc français. Tu n'as pas construit la maison quand le sac de ciment coûtait 1000 francs. C'est maintenant que ça coûte 5000. Vous me faites pitié. Coco, tu fais pitié. Normalement, tu devrais te cacher. Des exemples de catégories de générations de femmes comme toi, ce sont les tata Malisa Kamba. Mais elle a connu Georges Pompidou. Georges Pompidou était président en France en 1968. Aujourd'hui, on a Macron en 2022. C'est son deuxième quinquennat. Comptez que 5 ans, 5 ans. Ça fait 10 ans. Coco Lago, tu es qui? Tu veux qu'on détaille ta vie dans les brefs détails? Tu veux que Bizoué vous détaille Yinzoué? Ibambi Songa Boissu, tu sais parler allemand. Tu as tapiné à Zurich pendant des siècles. Tu as vendu l'onco à Zurich jusqu'à. Tu peux encore approcher là-bas. Tu peux encore arriver là-bas. Est-ce que tu sais même speaking Dutch? Tu peux parler un peu de Dutch? Et volo avec le cerveau comme la passoire. Cerveau passoire. À part la méchanceté, rien ne reste dans la tête là. Le cœur est noir comme le contact. Jalouse pro max. Son visage brille maintenant comme ses fausses chaussures semelles rouges. Elle dit qu'elle a des louboutins. Miss Turquie, tes amis actuellement sont les grossistes turcs. Avec tout le nombre d'années là, tu n'as même pas la nationalité. Tu n'as même pas une carte de résidence de 10 ans. Je suis arrivé en 2016 en Europe. Si le chaos t'échappe, pardon, fais-moi signe, je peux t'aider. Chienne. Tu parles à qui, Waboza? Waboza nye. Zane nye. It's not me. I cannot take it. Je n'accepte pas. Le rubbish, ce n'est pas ma chose. Je vais te régler comme une horloge. Parce que tu es déréglé. L'esprit de mort qui se balade dans ton cerveau, là, je vais t'amener à Lourdes. Un durungeme. Un durungeme de ton espèce. Tu pensais que tu faisais quoi hier? Tu connais quoi dans ma vie? Tu as parlé de Lady Ponce parce que tu étais avec elle chez elle. Tu filmais ces choses. Tu connais quoi de ma vie? Tu es parti du Cameroun. C'était Amadou Ahidjo qui était au pouvoir.
Tu es parti du Cameroun. C'était le président, son excellence, feu président Ahmadou Ahidjo. Il te connaît. Tu n'es pas l'enfant de Papa Paul Biya. Tu es l'enfant de... Tu es l'enfant de Papa Ahidjo. Hein? Tu as connu Georges Pompidou. Tu es toujours dans les clashs avec les enfants de Macron, les Yeye, Bino Bwangbo, Hollande. Nous sommes les Hollande, les frères, les enfants, promotion Paul Biya, les enfants de Paul Biya, promotion François Hollande. Hmm? C'est là où je me suis intéressé à la France. Quand François Hollande a fait valoir le droit du mariage homosexuel en France, hein? C'est là où j'ai connu le pays là. Mais toi, tu connais Papa Georges Pompidou, hein? Tu connais Jacques Chirac, tu le connais, tu as fait le mandat. Les clients que tu baisais à l'époque là, beaucoup sont déjà morts. Hein? Beaucoup de tes clients de l'époque, beaucoup de tes clients sont déjà morts. Parce que quand ils calculent où c'est 1968, où c'est combien? On cousse. Te réalo ongali on pousse pour venga mano soazo zura ne ba djou lo so e lanzo me bimenu e bala bo me bi an denano e lan an den un tujom a wuranu wanyala wura ha nga wa loa nange boko wa yem lo e wene bo bo e voa kya wa ko andam no nga wa tam si les gens de Minta les gens de nange boko ha nga o carbon nga wa wa yena lu ko mis chalo ranga yene. Abima bangama baga nya la banganda nyoba ya lugo we i denun dori dena bang ene i bwajoma nyake ya bo charcuterie espèce de charcuterie hein fromage de basse gamme i bwa le fromage un tudzom hein es sang ndia zuri ya nyumo kamambe ungo fami ngo no zamba nya ya ngosot hein avec la chatte sèche comme le désert. Mais bimenu i bwala bum ce qui yo moro solun amwe minga bel famanda ka bombe famza a womba abel ki abora ka bom virmam donc toi et toi mais on t'a jamais vu en train de promouvoir quelque chose du Cameroun qui est bien si tu n'es pas en train d'essayer de descendre ou de dénigrer hein tu es qui on ne zezin tu n'es personne aussi que zomzin je vais te laver. Si tu es une femme, donne-moi ton adresse. Je bagarre avec toi et porte le cabas. Je suis un homosexuel en Europe. J'ai les mêmes gloires que toi. Ma simouassi, ma git. Vers-le. Donne-moi, va ma graisse. Mais le mingue, je te parle au titre femme. Ma quoi voit titre mingue, me va faux sur mingue. Mais le lourd, non, mais une femme, tu fais mingue. Mais alors, Coco Lago, ça ne vaut Coco Lago. Bon, quoi, caresse ou bobo depuis des lustres. Ah, but zog e boal zom un tout zom e lang nou azout e lang. E nyomne e lang azout. Tu ne peux rien. Je dis que tu ne peux rien. Là où ta sorcellerie finit, c'est là où la mienne commence. Ma soeur ou bien ma grand-mère ou mon frère, je te regarde percher depuis. Aujourd'hui, j'ai accepté de descendre à ton niveau parce que tu t'es permis d'organiser la réunion de sorcellerie. Tu es malade. Ou à toi, il va nga boan ou e loa boukon. Non, ce n'est pas moi. Et là, que tu le feras jamais, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais ça. Je n'ai aucune carrière à préserver, papa. Ou bien maman, transsexuelle. Elle est là comme Koukil. Elle est sous comme ça. Ou bien, on a aussi décalé ton cou là. Parce que depuis un temps là, ton cou ne se... Je ne vois pas, tu ne bouges pas beaucoup la tête. Hein? Ça a cuté. Si elle fait comme ça, vous allez entendre trac la déchirure de ça. Mimbang, minouanzo, mimbang. Tu as voulu détruire Lady Ponce. Tu as vu comment tu nous as aidé à remplir l'Olympia. Ah, je suis vraiment l'ambiance de ça. Tout à l'heure, là, je vais publier une jolie petite vidéo de l'Olympia. Tu vas mourir. Je dis que ça va te faire mal jusqu'à tu vas quitter. Je vais publier. J'étais à l'Olympia. Oui, j'étais là-bas. Et quand Lady Ponce va encore faire, on s'en va là-bas comme ça. Prochaine fois, on attend la salle là. Oh. Ouais, la plus vieille, il y a une salle là. Le Zénith. Coco Lago, rendez-vous au Zénith. On veut la même motivation que tu avais pour l'Olympia là, pour le Zénith. Ok?
On veut cette motivation. Rouper ou de Lady Ponce. Nous ne sommes pas des personnes ingrates. Nous te disons merci pour la pub. Rouper ou. Toute la pub là gratuite. Le temps que tu faisais là, tu pouvais aller préparer la nourriture, non? On t'invitait quelque part. Il boit le djom. Elle se place carrément. Elle parle d'un enfant. L'enfant qu'elle pouvait mettre tout le monde. Je comprends, tu as abandonné. Tu es déjà grand au Cameroun. Le savais-tu? Je t'informe aujourd'hui. Ta fille, ta première petite fille se reproduit déjà au Cameroun. Tu te chamailles toujours avec les enfants sur Facebook. Coco Lago, cuisinière machiavélique. Cuisinière du monde des ténèbres. Hein? Cuisinière de Jézabel. Hein? Jézabel Lucifer t'a donné le contrat. C'est toi qui prépares pour lui à longueur de journée. Tu lui sers, vous partagez les coupes de sang. Mon sang est en main, on ne boit pas ça. On ne boit pas le sang là. Tu fais à Kimambaro. J'ai peur de toi. Tu as essayé. Je te dis que je veux la même motivation quand Lady Ponce passera à Bercy ou bien au Zénith pour fêter ses 20 ans de carrière. Parce que là, c'est 15 ans que nous on fêtait. Et toi, tu fais tes 70 ans de bordellerie quand on a laissé l'Olympia à la rue des Capucines. On a laissé l'Olympia à la rue des Capucines. Tu peux aller louer ça pour fêter tes 20 ans de machiavélisme, tes 20 ans de bordellerie, tes 20 ans de destruction, hein? Tes 20 ans de colportage. Jézabel que tu sois. Va louer ça, non? Tu fais ton concert là-bas. Dans tout domaine, il y a les fans. Tes fans maquillés viendront te regarder. Serpillère des toilettes publiques. Chienne. Ça vous fait souvent mal où? Hein? Depuis que le concert est fini, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Hein? Est-ce que tu peux nous expliquer? Tu ne loues le concert de loues la salle de l'Olympia. Tu fais la veille nationale pour tous tes clients depuis l'époque de Pompidou, ceux qui ont déjà rendu l'âme. C'est une très belle initiative. On dira qu'une bordelle qui a accepté de décorer ses fidèles clients. Mais bimenou, voilà pour moi. Quoi, mais ça? Merde. On couche mes clients. Ils ont Pompidou à eux. Pompidou te connaît. Tu entrais dans les préfectures à l'époque de Pompidou. Jacques Chirac aussi. Ayemoua, ils te connaissent. Berzeline. Idenzout. Zuringungol. Et Bolozout. Hein? On a attrapé le Ntoudjom dans le bang, on a donné l'interdiction à vie en Suisse. Je dis à vie, interdiction à vie. On a barqué en Suisse, ton signe à l'Oréwa, Suisse, Suisse, Bacaronet, niente. Tu n'entres pas, Babi, Ntoudjom. Aujourd'hui, de Yinoa, on a mis en Suisse, on a mis en Suisse. Les types pensent faire les concerts en Suisse et non pas. La majorité de tes clients, tu ne les rends pas visite dans les maisons de repos. Pourquoi? Les clients sont dans les maisons de repos. On ne temps pour que rendre visite. Oh, monsieur Jean-Pierre Delavac, à l'époque, tu me payais 3000 francs suisses. Oh là là, que tu as vieilli. Bordel. Moi, étant dit que le direct commençait à 10h, non? On est ensemble, ma. Que oh, les gens. Je suis fier de mon parcours. Fier de la manière dont je suis arrivé en Europe, Coco Lago. Je te le dis à haute intelligible voix. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Tu as voulu renverser Lady Ponce, d'accord? Ne pleure pas. Je m'appelle Elandi Junior, fils de Meung Elandi Marie-Daniel Onatangana Martin. Je vais me lever pour que tu vois que j'ai 1m86 pour 69 kilos. Aucun de mes parents n'est gros. Ok? Fais le deuil, va louer l'Olympia. Coco Lago, tu es en France, je le dis, depuis l'époque de Pompidou. Tu as connu Jacques Chirac. Tes clients sont dans les maisons de repos. Beaucoup de clients sont morts. Loue l'Olympia, tu organises le deuil national, les Camerounais vont te soutenir. Animal, tu es qui, tu es quoi? À l'heure que tu insultais mes parents hier sur les réseaux sociaux, ils dormaient.
Mes parents n'ont pas le temps de causer avec les enfants. Mes parents éduquent des enfants. Mes parents orientent des enfants. Ils n'ont pas le temps de causer avec eux. Coco Lago, tu es une pourriture. Avant cuillant, tu es une serpillère des toilettes publiques. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu passes le temps à te faire charcuter. Tu ressembles à une grenouille Goliath. Homer Simpson, tu vois tes fossettes. Tu m'as appelé comment? Tu t'es regardé? Comment est-ce que tu m'as appelé? Ta première fille que tu as régnée, tu as bannie. Madame, ta première fille que tu dis partout ici en Europe qu'elle est morte. Ta première fille. Sa fille, la fille de ta première fille se reproduit déjà au Cameroun. Tu ne nous parles pas de ça, madame. Je suis un homme, je suis certes un homosexuel. Je peux décider d'avoir des enfants quand et comme je veux. Déjà d'abord, qu'est-ce que tu en sais de ma vie? Rien. Tu te plains, tu dis, oh, quatre opérations. Tu as encore le souffle, tu peux encore rire aux éclats. On t'a déjà tiré tous les rires du visage. Je te donne le défi, Coco Lago, rire aux éclats. Cac, 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 rire aux éclats. Rire aux éclats, Coco Lago. Gawa nyawo aux éclats. Rire un peu aux éclats. Il a dit qu'elle va te faire le direct pendant 8 heures. Tu vas craquer. Je te dis que tu vas craquer. C'est toi, je vais faire revenir l'histoire d'Apollonie et Yébé sur internet. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu es malade et te connais où? Bordel, j'ai été bordel avec toi. Quand tu faisais les maisons des Bamba, j'étais là-bas. Chanter, je ne chante pas. Hein? Coco Lago, 5 ans, 8 hivers, 0 réussite. Et tu penses que je suis la cause de tes malheurs? Je suis arrivé en Europe, au port de Lampedusa, en Sicile, plus précisément en Italie. C'était le 5 octobre 2016, madame. Quand tu partais du Cameroun, je n'étais pas encore né. Tu es parti du Cameroun en 1968. Je suis né en 1992. À l'hôpital de Biémassi, plus précisément à Yaoundé, parce que tu as besoin de détails. Tu peux encore mettre les pieds au Cameroun? Non. Tu ne peux plus. Pourquoi? Tu as les papiers en Europe? Non. Tu n'es pas un réfugié. Va dans ton pays. Tu as qui là-bas? Hein? Tu as qui là-bas? Tu n'as personne là-bas. Mais je dis, alors là, personne. Tu ne peux rien me dire. Je ne parle pas avec des bassesses comme toi. Je suis un enfant qui a beaucoup d'éducation. D'accord? On m'a très bien éduqué. Je sais aussi descendre au niveau des merdes comme toi. Quand tu ne te respectes pas, je te montre que je suis la présidente des... Et on va jouer ça dans ton cerveau. Ok? Madame, tu te places, tu me fais... J'ai dit que c'est David, Coco Lago. Tu dis souvent que tu es la King Kong, tu décris tout le monde. Non, c'est David qui avait tué Goliath. Tu connais l'histoire de la Bible. C'est David qui avait tué Goliath. Coco Lago, il te parle, je suis dans ma cuisine. Chez moi, 120 mètres carrés. Mon Dieu est propriétaire, on ne loue pas. Là où tu fais le... Là où on te donne la place au salon, où tu présentes tes Turcs là, ta Turquie, tu peux payer. Coco Lago, tu peux avoir 4 chaussures Louboutin. Tu peux nous donner le prix des bêtises que tu as essayé d'exposer avec tes faux sacs Chanel qui brillent ton visage qu'on allait escraire les rides sur ça. Tu es malade, Wakwana Boum, Wakwana Boua. Ils ont pissé dans ton cerveau. Ton cerveau est devenu le pu, c'est ce que je vois. Va consulter, madame. Je connais un très bon psychiatre qui peut t'aider. Donc, tu vas m'arrêter ça. Tu ne me la fais pas. Tu as fait quoi à qui? La personne qui a mis là que Nathalie, ou c'est Natacha de Monaco, m'a répondu. Attends, je te bloque ici déjà d'abord. Parce que je pense vous avoir dit que des faux profils, j'en ai. Et je n'ai demandé à personne d'aller voir où on m'insulte. Mariam du centre, je te bloque. Que ton âme repose en paix. J'aime pas les oiseaux de mauvaise augure. Je pense que tu feras un très bon fan pour Coco Lago. Donc, si tu as oublié sa page, quand elle commentera là, je vais te la dicter. Coco, toi et moi, je t'ai donné le défi. À Charleroi, j'habite au 290, route de Châtelet. Hein? Je m'appelle Elandi Junior. C'est le premier nom à la boîte aux lettres. Appartement 21, au dernier étage. Donne-moi ton adresse si elle ne vient pas. Donne-moi ton adresse, moi je sacrifie que je prends 2 ans de gata. Je te tape copieusement. Mais dites-moi en vous. Je prends un gata là. L'ongata ici, là, il veut sortir là-bas gros jusqu'à. Peut-être c'est là-bas qu'elle veut grossir. Tu es malade, tu parles à qui? À quoi besoin?
jusqu'à venir m'intimider. Tu peux intimider qui? On ne supprime pas. Tu n'as rien fait à Papy de Longchamp. Ce n'est même pas déjà d'abord toi. D'accord? Je connais la loi européenne, madame. Je connais mes limites sur les réseaux sociaux. Va me porter plainte et donner mon nom. Et je vais continuer de t'insulter aujourd'hui, demain, après-demain. Le gros cul de ta mère, Coco Lago. Le gros, gros et sale cul de ta mère. Tu as parlé de ma mère hier dans tes lives. Tu connais prier. Ça t'arrive souvent de prier. Ça t'arrive souvent de prier. Il a dit qu'elle veut chanter l'hymne national dans ta tête. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je vais chanter ça. Mais ce soir, je vais me reposer. Je suis fatigué. Hey, je fume le banga. Tu l'as dit dans tes trucs. Je fume le banga. Tu vendais, toi, tu vendais la cocaïne. C'est pour ça qu'on t'a interdit en Suisse. Tu ne vendais pas seulement, tu consommais aussi. C'est ça qui est monté dans ton cerveau là maintenant. J'ai peur de toi. Et je n'ai pas besoin des alliés. Tu ne me fais pas peur, Coco. Tu es le dernier de mes soucis. Donc, quand elle marche, non, je dors tranquille. Je te croise, tu me prononces, et te saute ma vame, son me saigne. Je dis tout, je ne laisse même pas un demi. Imbécile, tu peux encore rire. Rire aux éclats. Rire. On a déjà fini de charcuter le visage. Tu es quoi? Tu travailles à la boucherie. Une bêtise que même un Togolais a barré. Maman, le père de ton enfant, le Togolais, là, il ne t'a pas barré. Elle vient parler que... Mets le titre, tu mets le poste. Tu te places, tu viens m'insulter. Je vais te répondre. J'espère que tu vas acheter ou bien tu vas pouvoir louer une maison avec l'argent que Facebook va te procurer pour les petites vues que tu vas générer. Depuis que tu ne parles pas de Lady Ponce, hein, tu as combien de personnes qui te regardent? Tu as combien de partages? Hier, tu as parlé un peu de moi. Tu es arrivé, je crois que c'était à 300 bien si c'était quoi. Malheureuse de ton état. Je m'en vais garder, ce sont mes documents. Poisseuse. Une petite poisseuse comme ça, la frustration t'appelle papa. C'est sur moi que tu veux venir jouer ta frustration. Hein? Quand tu as commencé à vendre le zout en Suisse, j'étais des années. Quelqu'un qui est venu en Suisse en 1968. Moi, Coco, je te jure au nom de Dieu, je te rencontre. Un wallah, c'est tout ce qu'il cherche. Je vais te battre. Même si je veux chop un an de ngata. Je n'ai jamais fait la prison dans ma vie. Je vais un peu voir ce que ça fait. Surtout en Bénissi. Il y a les beaux hommes là-bas jusqu'à. Les mouins. Je vais me débrouiller avec eux là-bas. Il est lent, oiseau, il est lent. Essaye-moi, tu vas voir. Que derrière village, il y a village. Donc, rien que le simple fait que je danse les chansons de Lady Ponce, je fais mes commentaires, je fais mes trucs, et quoi qu'elle peut m'attaquer, tu es malade, tu diriges mes sentiments. Il en est oiseau, il en a vine, il en a vine, avec les fesses secs, tu mouilles encore. Ça t'arrive de mouiller. Tu mouilles encore, ma. Il lui pose même la question comme si elle pine encore, godée de premier rang. Godet de première range. Les godes connaissent ta chatte comme tu connais la porte de ta maison familiale. Tu insultes Flore, pourtant tu as cité les sexes toys chez elle. Tu ne vaux pas Flore. Tu ne vaux pas. Alors là, tu n'atteins pas Flore, mais même à la cheville. Je dis à la cheville. Flore est tout ce que vous avez dit là. Allez prendre son immeuble au Cameroun, vous jetez. Allez prendre son fils Choupi, vous jetez. Allez prendre ses petits-fils. C'est vous qui avez encore les petits-enfants que vous allez devoir vous justifier et les expliquer tout ce que vous êtes en train de faire là. Hein. Choupi est conscient, il connaît déjà tout ça. Il connaît déjà votre machiavélisme, votre terrain d'attaque, la manière dont vous opérez. Il vous connaît déjà. Je voulais vous dire ça aussi, qu'il vous connaît. Il m'a dit qu'il vous dise ça, qu'il vous connaît déjà. Donc, tout ce que vous faites là, ça ne l'atteint pas. Ça lui pousse même encore à renforcer l'amour maternel. Ça lui pousse même encore à bien protéger sa mère. C'est là où il se rend même compte que non, sa mère, c'est une femme qui est très importante. Vous venez vous placer. Tu te places sur Internet, tu viens insulter une dame âgée comme la maman Anna. Et on ne doit pas t'insulter. Après, les imbéciles vont venir me dire, c'est quand même ta grande soeur. C'est quand même son sale cul. Avec les asticots dedans, avec l'eau du gombo.
bitumbi nous iboalos wa nyaka soa bomorato kwa ba tu m'as trouvé aujourd'hui. Tu t'as permis de m'insulter? Wa temanyu dans la bouche chienne. Et vont l'eau. J'ai dit que on va dormir. Celui qui n'a pas les méga, il part. Je n'ai pas donné la convocation à quelqu'un ici. Une supplieuse de ici. On est obligé de te baiser avec le lubrifiant comme nous aussi on utilise ça. Non? Tu mouilles encore, ma. Tu connais mouiller. Monoposé de première rang. La monopause monte dans ta tête, là, les bouffées de chaleur. Là, regarde comment ce que ça fait de toi. Tu es déjà là comme cookie. Lézard de nuit. Lézard. Jusqu'à ces mères fait que. Celui-là, 40 grammes. Tu m'as ajouté. On m'appelle 3 grammes. Ne m'ajoute pas les grammes, mais ne veux pas grossir en grammes. C'est 3. 40 grammes, 3 opérations. Tu connais ma vie. Manque de quoi dire. Pourtant, tout le monde te connaît. Avant, quand tu faisais les clashs, une baiseuse comme ça, elle était dans un petit appart hôtel à Vevey là-bas. Elle connaît là-bas. C'est dans ton YouTube. Tu disais, regardez ma cuisine de femme. Je connais ce mensonge-là, mais pourquoi je ne parle pas? Quelqu'un dit qu'elle a le lézard de gueule. Qu'elle a le wifi de la gare. Les Camerounais, vous allez me tuer. Pourquoi la gueule n'a pas peur de toi, Wallahi? J'ai traversé le désert. J'ai traversé la mer Méditerranée. C'est vrai que j'ai souvent peur de certaines choses, mais pas toi. Tata Malise Akamba a classe. On a classe aujourd'hui avec ta tantine Malise Akamba à 19h30, heure d'Europe centrale. Appelé à la barre, c'est Coco Lago. Tata Malise, mets-moi le point sur l'histoire de la mort de notre compatriote et notre mère que nous pleurons depuis Apollonie et Yébé. On va reparler de l'histoire là. Si l'histoire Coco Flore qui est passée en 2014 est ressortie maintenant, on va parler l'histoire. Il faut que la technologie a avancé maintenant. Je pense que c'est le moment qu'on doit débattre de ça. Coco, tu vas nous dire, tu veux parler beaucoup, non? Tu vas nous dire. Anango et Sama, je suis l'amant de ton père. Ton père avait ses vieux noyaux ridés. Antingo Oyon. Il a dit à ton père d'opérer la hernie de 16 kilos qu'il a en bas des noyaux là. Ne viens pas t'acharner sur mes commentaires. Je suis en train d'attacher ma chose et je veux fumer. Si j'ai faim, voilà la nourriture. Si je ne veux pas manger ça, voilà mon portefeuille. Si je ne veux pas voir la carte de mon Joe là-bas, ça te va? Il a un oiseau. Je suis moi, mais ne me mène. J'ai le temps aujourd'hui. On est ensemble pour un bon bout de temps, je crois. Moi, j'ai le temps. Avec tout le nombre d'années que tu as fait, tu dis seulement tous les jours, oh, j'ai les relations au camp. Pas au Cameroun, alors on voit. Tu n'es rien, tu n'es personne. Le Cameroun ne te veut même pas d'abord. Tu as voulu déranger leurs filles, les ponces, leurs artistes. Tu es toi en train de piétiner les gens qui essayent de faire quelque chose de ce beau et cher pays. Le Cameroun te refuse. Bye. Nous, on te donne à Lucifer qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Vous voyez une femme, je n'ai jamais vu la femme là. Je n'ai jamais vu la femme là en train de dire ici. De dire quelque chose que peut-être aller dans tel magasin, aller soutenir, ou bien tel frère. Je ne l'ai jamais vu. Si la femme là n'est pas en train de dire comment l'autre avait tué, elle connaît tout. Mais pourquoi tu ne fais pas dans chronique criminelle? Hein, ma? On a besoin des visages monstrueux comme toi. Voilà Halloween qui vient, bien, tu n'auras même pas besoin de masque. Guenon. Et celle qu'on appelle Élise Battante, l'idiote là. Hein? J'ai vu, elle a mis une publication hier, elle était à l'hôpital et je suis allé lui souhaiter bonne guérison. Au moins, même comme elle la déteste, mais je préfère qu'elle soit au moins normale. L'idiote là, celle-là m'insulte et partage. Tu pensais, c'est ton renfort là-bas. Je vais vous piétiner, vous deux, bonobo. Comme tu es malade, j'espère que ton mari s'en sort dans le camion là où tu lui as laissé. Marieuse de transsexuel. Ton mari, c'est un trans. Ah, maman.
Banga va me tuer. Mais il peut faire mourir pour le Banga. C'est moi qui ai acheté ça et mon argent. Ne pleurez pas. Où c'est Janice? Janice, le gros cul de ta mère. Que je sois au Cameroun. Je vais vous expliquer parce que vous êtes où en fait. C'est vous qui ternissez l'image du Cameroun. Le Cameroun punit l'homosexualité. Ce n'est pas accepté. C'est condamné par la loi 5 ans. Mais il faut qu'il y ait flagrant délit. Vous ne connaissez même peut-être pas les lois de votre pays. Le Cameroun n'a aucun problème avec le fait qu'il soit efféminé. Mais le Cameroun ne veut pas me voir en train de m'embrasser avec un homme. Le Cameroun ne veut pas me voir en train de faire avec un homme. D'accord? Et même dans le Cameroun là, je suis sûr que je suis un bénéfice dans le Cameroun. Et même dans le Cameroun là, mes parents sont importants peut-être plus que les tiens au Cameroun. Parce que quand ils viennent de guetter ta photo là, vraiment, a dit que le Cameroun n'a aucun problème avec moi. Le Cameroun a le problème avec ceux qui font l'amour, ils viennent leur montrer ça. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'être efféminé. Fingon Kralala faisait les chroniques, il portait les jupes, non? Le Cameroun lui a fait quoi? Rien. On vous arrête souvent parce que vous voulez montrer comment vous faites l'amour. Moi, je ne fais pas l'amour. Qu'est-ce qu'il vous dit même d'abord que je suis comme ça? Je ne fais pas l'amour. D'accord? Attends, je lui bloque même d'abord. Où c'est Janice? Tu vois la laide de choses là. Elle s'est mise, elle est inclinée. Hein? Regarde, elle est inclinée. Donc, je vais laisser le blanc ici, hein, pour aller me faire trouer. Comme vos frères se font trouer Njo là-bas. Non, au moins, il y a une qualité de vie qu'avant de vivre, il faut vivre ça avec des gens sûrs. Hein. Je meurs là maintenant. C'est ce qu'elle avait écrit à mon mari de faire, qu'il va faire. Ma famille ne va même pas cotiser même 5 francs. C'est vous que si vous mourrez, on va déranger vos tantes que... Ouais, maman Chouta, tu as déjà donné tes 5 000. Parce que si tu as déjà donné tes 10 000, je meurs là. J'ai dit à mon mari que s'il meurt, tu envoies mon corps à mes parents. C'est ce qui va. Il va seulement leur demander leur nom. Comment est-ce que ça va arriver? Et je lui dis que ne pars pas là-bas, ils vont t'escroquer. Donc il va rester. Je lui dis que chérie, s'il meurt, envoie-le le corps, ne viens pas. Il le connaît. Ils vont t'escroquer. Reste là. N'envoie rien à personne. Donne-le le corps là qui mange ça. Mais comme ça, alors que je vais finir ma vie au Cameroun, je vais être enterré là, on a enterré mon cordon ombilical. Je prévois bâtir mes projets au Cameroun. Je suis un fonds de commerce pour le Cameroun, plus que beaucoup de rienneux qui vivent dans les maisons familiales. Ok? Quand j'aurai mon argent, que Dieu va me positionner, je vais faire mes projets au Cameroun. Aucune loi ne m'interdit en tant que Camerounais. Je veux venir faire mes choses là-bas. C'est vous qui ne cherchez pas. Vous êtes là. C'est une fille Douala. Nous tous, on sait ici que les Douala restent beaucoup à la maison familiale. Ou bien tu veux qu'elle parle? Hein? Tu veux qu'elle parle? Moi, je vais vous... Tous les jours, et j'oublie seulement. Je vais vous mettre une petite photo de moi. Vous allez voir à peu près à l'âge que je suis parti de chez mes parents. J'étais très jeune. J'avais 16 ans. Vous savez pourquoi? Parce que mes parents, hein, ce sont les plus grands homophobes du Cameroun. À l'époque. Je voyais comment un peu mon père, ce qu'il pensait des personnes homo. J'ai seulement dit que pardon, il faut qu'il fuit moi d'abord. C'est comme ça que j'ai fui. Je n'ai pas fui parce qu'il y avait une incapacité ou bien une ingérence. Hein. J'ai fui la dictature. Je voulais arracher ma liberté. C'est pour ça que je suis parti. Et mes parents ont vu que tout ce qu'on les avait aussi appris des autres, parce qu'ils s'inquiétaient, on leur disait que oh, vous allez mourir, les couches. Ils ont vu que tout ça, eux-mêmes, ils étaient dans l'ignorance. Aujourd'hui, je cause avec mon père, hein. Je cause avec ma mère, hein. Je cause avec ma grand-mère, hein. Je cause avec tout le monde, quand je veux. Si je ne veux pas, je ne cause pas. Ils savent, ils me regardent sur Internet, là, ils ne manquent pas. Parfois, on m'appelle et guette comme ça, j'appuie à côté. Ils ne répondent pas. Parce que quand elle pense à tout ce que parfois j'ai dû endurer, pourtant je pouvais rester tranquille dans mon pays et être bien. Je dis, aujourd'hui, je n'ai pas trop la motivation de parler avec qui que ce soit. Donc, laissez-moi. Soyez le patron de ce que vous voulez faire dans vos vies. Hein? Ça va vous éviter de finir comme Coco Lago.
Soyez vous-même. Hein? Appréciez les gens. Imitez les bons exemples. Soyez qui vous êtes. Dans la tranquillité. Évitez d'aller épouser les femmes de Tui. Parce que le travail ou bien parce que la famille. Pourtant, vous savez que vous-même, vous êtes des tafioles. Hein? Des talous. Vous prenez l'enfant des gens, vous mettez à la maison. Tous les jours, vous êtes chez vos maris dehors. L'enfant souffre à la maison. Arrêtez ça aussi. Mais je peux comprendre que parfois, c'est certains de nos gouvernements qui nous obligent à faire ça. Mais si les gens ne sont pas un peu plus sincères, ça ne va pas changer. Non. Moi, je suis un homme qui aime les femmes. Je suis un homme qui aime les autres hommes. J'aime le sexe, en gros. Si je vois une fille là qu'elle m'excite, si je vois une fille là qu'elle m'excite, qu'elle me plaît, ou bien moi aussi elle lui plaît, on fait. Voilà. Si je vois un homme que je lui plais, il me plaît. Il y a vos filles, vos enfants là, ils m'écrivent ça, mon hyper. Ce n'est pas moi qui les appelle. Moi, je choisis même d'abord, je n'accepte pas tout. Allez dépanner Coco Mimban, c'est un transsexuel. Il vient me parler. Coco, tu ne peux pas m'intimider. Voilà, il laisse l'idée là dans ta tête. Ça ne passe pas. C'est une formule qui ne passe pas. Ça ne passera jamais. C'est pas avec moi. Daniel, la fortune... Ou c'est quelle fortune avec les mèches synthétiques sur la tête, elle s'appelle... Mais c'est souvent un nom que vous prenez, non? Tu vois une pauvre, l'autre avec les mèches synthétiques sur la tête, elle s'appelle que Daniel, la fortune. Fortune des préservatifs ou des ndamba. Et tu es bloqué, que ton âme repose en paix. Coco Lago, je veux sortir un featuring avec tous tes détracteurs ici là sur Facebook. Ce n'est pas ce que les enfants font là-bas qui font les trucs. Je veux faire monter tes détracteurs. Je veux faire monter tes détracteurs, Coco. Tu ne me connais pas. Wakare soit warm habit tourbicas. Maintenant le tout-ci. Maintenant le tout-ci. Je vous ai déjà dit que ne prononcez plus le nom d'Adeline dans mes commentaires. Adeline et moi, on n'a aucun problème. Je te bloque déjà d'ailleurs parce que j'ai toujours dit dans mes lives ici, est-ce que je mens alors les gens qui étaient là depuis? J'ai écrit hier que le port du cerveau est obligatoire. Celui qui ne porte pas son cerveau, le blocage sera instantanément. Voilà ce que tu as subi. Il n'y a pas de souci. Que ton âme repose en paix, ma soeur. Prochaine fois, si tu as un autre faux profil, tu viens. Et j'espère que tu seras beaucoup plus poli. Vous me prenez souvent pour qui? Je fume le banga et ne fume pas mon cerveau. Hein. Mais 9 mois perdus que vous voyez si on engendré les bacheliers et ça continue toujours, c'est une continuité. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vous ne pouvez pas aller crier sur les vieilles mères comme Coco Lago qui font ombre à leur soeur. Comme mon mari, c'est ton camarade de classe ou bien comme je suis ton ami. Donc, je dois me mettre. Elle me pose la question. Ma chérie, tu n'as pas une question un peu plus intelligente. Bloqué, que ton âme repose en paix. Mon mari, c'est ton ami. Je suis ton ami. Ha. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai déjà dit que le salut est individuel et que chacun cherche le salut pour lui et sa famille. Vous êtes comme ça, vous paix. Dieu va passer devant votre porte parce que vous ne vous occupez pas de vos vies. C'est pour moi que vous regardez. Bonjour tout le monde qui m'aime. J'ai même oublié de vous saluer. Ouais, je vais vous saluer le soir. Laissez-moi tourner mon mazouté. Chaque chose sur terre a un but précis. Quand je vais mourir, je ne vais plus revenir sur terre. Est-ce que j'irai au paradis ou à l'enfer? Quand je vais mourir, je ne vais plus revenir sur terre.
Nina le jour de ma mort. Mes ennemis et mes amis danseront autour de mon secret en chantant mes mélodies mortées. C'est Lady Ponce qui a chanté ça. Coco Lago, tu as chanté quoi? Tu as cuisiné quoi? Quel menu tu as cuisiné et tu as baptisé que ça c'est un plat que Coco Lago a créé? Moi je chante les chansons de Lady Ponce là. Je chante les chansons de Lady Ponce. Hein? Je connais beaucoup de ses chansons. Toi, on te connaît seulement dans la sorcellerie. Bevoba kebadjona, ce n'est qu'une marabout. Me metinigno, me boyo. Oui, j'ai aimé Lady Ponce comme ça. M'a dit Njo. Njo. Et vous voulez me détester parce que j'ai choisi d'aimer Njo? Non, 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 non. Dieu a dit aimez-vous les uns et les autres. Lady Ponce, je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain. Que Dieu bénisse ta carrière. La manière dont elle prie pour toi chaque jour, que quand j'entends un vouxement, ça soit vrai, vrai le vouxement là. Coco Lago, tu vas t'en sortir. Ce que tu as provoqué là, est-ce que tu vas survivre, ma? Parce que ça peut être pour longtemps, hein, ma soeur. Comme au Bussombo, tu as le même âge que moi. Les Douala disent que Bonda Nongo. C'est ce que les Douala ont dit. Ce n'est pas moi. Useless woman. Ça, non, maman. Aminata, eh, hey, Aminata, oh, Aminata, oh, Aminata, oh. Hey, Aminata, oh, you are Thai, is a nom. Aminata, c'était ma cuisinière machiavélique. Entre elle et moi, c'était l'amour fou. Nous étions comme une terrasse à moi. On se confiait tout. Elle me brisait même la sol. Aujourd'hui, il y a un télé web, réseaux sociaux. Il y a un tingwa, maningungwa, le zoo, et maningungwa, le nyoué, ou Coco Lago. Espèce de grenouille de Zuma. Elle est là comme la grenouille. Hein? Elle est comme ça. Picri. Du. Coco rit aux éclats. Tu peux encore rire. Tu ne peux plus. Aussi que feu. Tu es interdit de rire. Coco Lago, tu es interdit de rire. Tu as déjà charcuté tout ton visage pour tirer les rides. Coco Lago, tu es arrivé en Europe à l'époque de Pompidou. Pompidou, on dit que c'est son mandat 1975 ou 68. Aujourd'hui, on est en 2022. Macron en train de finir son cinquième quinquennat. Tu tapines toujours, tu es toujours dans la méchanceté. Yeah! On peut être mauvaise comme ça sans salaire. Ça t'a rapporté quoi? Tu n'as pas construit les maisons au Cameroun. Ta petite fille se reproduit à Yaoundé. Ta petite fille. Pas ton enfant, pas ta fille que tu as menti au Camerounais. Hmm? Tu as dit au Camerounais que ma fille est morte. Ma fille est morte. Ta fille a accouché l'enfant. Donc seulement tu es une grand-mère et tu es une arrière-grand-mère. Parce que ta petite fille se reproduit à Yaoundé. On va chercher les photos. On doit quand même te montrer ta petite, ton arrière-petite enfant. En cercle que tu sois, tu ouvres le direct, tu viens me faire le direct, un enfant. Donc je ne dois pas aimer Lady Ponce. Elle est venue en France à l'époque de Pompidou, Georges Pompidou. Aïe, maman, le truc, c'est les sorciers de mon village qui ont fait ça comme ça. La seule laide fille camerounaise qui n'a pas pu trouver un Atangana. Toutes les bordels d'avant là, elles se sont au moins mariées avec le Watt une fois. Tu connais le mariage. On a chassé les bêtises. Centralisé de la Suisse comme le coup franc. Ma soeur, tu vas seulement voir la Suisse là dans les photos. Si ça te fait trop mal, va t'abonner chez Carole Abenamama et qu'on a alors vous faire vivre la Suisse jusqu'à. Je comprends maintenant, maman, les greux, la frustration, quand tu penses tout le cap qu'il y a là-bas, mais tu ne peux pas aller chercher. La semaine-ci là, je serai là-bas. Ou bien la semaine prochaine, je vais te faire un petit direct. Je te montre un peu les villes que tu ne verras plus jamais à part dans les vidéos et les photos. Voleuse, bangaman, dileuse. Quand il t'entend souvent crier sur les Camerounaises. Hé!
J'ai dit que hey, Lucifer aussi parle. Tout ce que tu reproches les filles, la jeunesse de faire là, arrière-grand-mère, tu as eu à faire ça. On respecte les... J'ai du respect, de la considération comme les mamans sur Facebook, comme un peu Namachois. Mm-hmm. Elle ne connaît pas la bordelerie. Elle travaille. Un peu Namachois. Dédicace spéciale à toi, Namachois. Voilà les vraies femmes. Elles font la dignité du Cameroun à leur manière. Elles ne sont pas là pour essayer de piétiner toutes les étoiles. On a d'abord, Bible d'abord dit, on a quoi? Tu te places, que Lady Ponce ne peut pas respirer, danser sa gloire à l'Olympia. Parce qu'une pourriture effusquée qu'elle a bordée pendant des lustres, elle n'a rien eu. Hein? Elle vient détester Lady Ponce, une petite femme qui est partie de héros à zéro. Elle prend l'avion comme le taxi. Hein? Lady prend l'avion comme... Parfois, elle demande qu'elle... Elle marche comment? Ouais. Coco Lago, tu vas t'en sortir. Tu vas survivre, Agnès Wama. Ha! A bien, Bouloba, tu n'as pas de yot. Bien, Adjo. Angondo, Adjo. Carrément. Mais ça chatte Christ comme la garde train de perpète les oies. Hein? La mère de Tata Doudou m'avait raconté une petite histoire. Quand un jour elle s'est chamaillée avec quelqu'un elle s'est chamaillée avec quelqu'un au Cameroun en Vorada. Elle ne savait plus tellement ce qu'elle va dire. Mais le titre de Bengui, elle a seulement dit espèce de barbesse roche le choix. Toi aussi, je te dis la même chose. Espèce de barbesse roche le choix. Espèce de Istanbul, espèce d'Ali Express. Madonna, je voulais te dire ça. Voilà. Toi et moi, on va rester ensemble pour beaucoup de jours. Je pense que tu commences à me plaire. Je pense que tu commences à... Je m'intéresse plus. Je commence à beaucoup m'intéresser à la personne que tu es. Useless woman. Toujours en train de faire du mal. L'histoire du ndepa. Le ndepa que ta grand-mère m'achète. Souvent, attends, elle te bloque. Je vous ai déjà dit que les petites filles foirées, là, d'abord, même qu'elles ne peuvent même pas baiser, même. Vous êtes fade, vous donnez même envie de gerber. Hein? C'est vous qui venez vous faire voir. Vous êtes en train de montrer votre incompétence et vos laideurs dans les commentaires. Vous ne pouvez pas vous cacher. Hein? Vous ne pouvez pas vous cacher par un moment. On vous a appelé. Les 200 que tu as mis la connexion là, tu ne pouvais pas dire à ta mère que maman, je suis déjà vieille pour que tu me donnes le déjeuner. Attends, elle va même aller couper un job dehors et t'amène ce que tu vas manger. Chien. Je vais vous laisser. Je vais aller me coiffer. Même comme je ne suis pas trop enthousiaste, je voulais un peu que mes cheveux respirent. Comme ça faisait longtemps, je ne me suis pas cressé là. Ça m'a trop arrêté la tête. D'accord, Tata Malice. Bonne et heureuse journée à tout le monde. On se prend au courant de la journée. Je vais aller essayer de faire une petite beauté zuina là. Dès que je finis de faire ça, je vais faire un petit direct pour que Coco Lago me voie. Pour que Coco Lago me voie. Coco Lago, toi et moi, tu ne vas rien me faire. Je te dis que ma mère vit. Ma grand-mère vit. Mon arrière-arrière-grand-mère, je l'ai connue. Essaye, vole. Essaye. Fais. Oh. Tu as vu, j'ai porté la croix. Je disais, je ne classe jamais avec ça. C'est parce qu'elle savait la Jézabel que tu es. Lucifer. Ma croix est un objet de dissuasion pour toi. Bonne journée, je vous aime. Maintenant, amusez-vous les pages coupe-coupe. Vous avez toute ma bénédiction. Coupez cette vidéo comme vous voulez. Prenez les parties les plus essentielles comme vous voulez. Pour descendre cette pourriture. Coco Lago. Le visage picri comme la grenouille de Zuma. Crétez-me là. Partout là où elle parle ma chose. Allez l'étouffer. Pour la signaler. 1000 signalements. Elle quitte. Akoro. Une sorcière.
tout son parcours. Elle a passé, elle ne sait même pas si elle a profité de l'été. Tout son été, elle s'est acharnée sur Lady Ponce. Et on me demande de rester tranquille pour qui? Pour quelle raison? Le concert est fini, hein? Le concert est fini. Pourquoi tu n'essayes pas de boycotter pour le palais des sports? Pourquoi tu ne fais pas... Que, ne partez pas au palais des sports, tu peux. Parce que les gens qui sont au Cameroun n'ont même pas d'abord le temps, mon frère. Si Lady Ponce le fait danser, ils partent sur le même danse. Ce n'est pas toi qui leur donne l'argent. Ils s'en foutent. Ici, en Bencom, il y a le suivisme, le moutonisme, le tribalisme, le tout ce qui va avec. Mais les gens du Cameroun, là, ils n'ont pas de problème. Hein. C'est vous qui bouillissez ici, là. Ils n'ont pas de problème. Je te dis que même un demi-problème, ils n'ont pas. Ils se moquent même souvent de vous quand vous faites même certaines choses. Si vous voulez aussi vous dire ça. Donc, on t'attend. Commence le boycottage. On a besoin de pub pour le palais des sports. La diva du Bikoutier sera encore là-bas. Le 19 novembre, elle sera encore, si tu ne connais pas les dates, elle sera en Alsace. Hein? En Alsace à Strasbourg. Tu peux aussi commencer à faire boycotter ça. Nous, on a besoin des pubs comme toi. Tu as très bien travaillé pendant l'Olympia. Hein? Tu as très bien parlé et travaillé pendant l'Olympia. Donc, j'espère que tu vas... J'espère, celui-ci me posait les questions, je suis ton ami, maman. Donc, parce que tu m'as trouvé en live, tu penses que tu n'as pas une question un peu... C'est qui voulait bloquer? Non. Je fais souvent comme ça, après ça prend les innocents. Je ne peux pas laisser le petit se voir là. I think I have him here. So, rip in peace. Repose en paix. Que la tête de tes ancêtres te soit légère. So, je vais vous laisser, je pars. Emily Lona. Bisous. Voilà les petites filles ici, là, comme ça, qui sont jolies. Tu penses que si une fille veut m'exciter, elle veut laisser les petites filles ici. Hein, pour venir prendre une camée, une finito. Je préfère être pédé. Coco Lago, si c'est tellement toi et moi qu'on est déjà resté sur la terre, si wallah, zéophile même, je prends. Sorcière. Bye, je pars.